Bonjour les gens, comment allez-vous Bienvenue dans ce stream. Merde, attendez, attendez, attendez. Double son. Désolé. Désolé, double son. Bonjour tout le monde, comment ça va Hop. Ah, attendez, j'enlève la veste. C'était la partie... Euh, C'était la réunion aujourd'hui. Euh... Quoique il fait froid en fait. Tant pis, je vais garder. C'est la journée euh, assemblée, euh, assemblée d'associations, de... là, dans les locaux où on est. Donc du coup, euh, c'est pour ça que j'avais mis une petite veste. Je me suis dit, c'est le jour ou jamais de mettre la veste un peu, un peu plus chic. Comment allez-vous Bienvenue dans ce stream mode de l'après-midi, chill. On va parler des petites actualités. terminé de faire les postes je crois qu'il y a eu un saute coucou Rezzati comment ça va je me demande s'il faut pas faire un contrôle F5 pour les gens parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une saute euh, saute d'internet au début du stream là pendant que c'était la, la page d'intro. Moi ça marche en tout cas. Ah bah trop cool. Trop cool, trop cool. Comment ça va Rizati Bienvenue sur ce stream. J'ai le petit café de près. On peut faire le débrief tranquille, des actus mode, ça va bien se passer. Euh, on est dans un mood de, de décembre, il fait tout gris dehors, on est cosy ici, tranquille, à parler des tendances 2024. Ça va être bien, je suis contente. Donc voilà, ouais, comme je vous disais en intro, euh, ben c'était euh, la journée... Euh, on a C'est réunion sur réunion, là Enfin, réunion sur réunion. Non, grosse réunion ce matin. Parce que du coup, c'était l'assemblée générale euh, de l'assaut dans laquelle on est hébergé, avec des bails de genre. Est-ce qu'on augmente euh, les cotisations, euh, les loyers des bureaux, machin et tout Fallait voter et tout. Euh, voilà. Donc euh, voilà, c'était la matinée un peu tendue, euh, mais tout va bien, tout va bien. Et, euh, et là, avec Artou et Dame, on a commandé début d'après-midi là les étiquettes noir pastel. Donc on a commandé chacun nos étiquettes. Pour euh, les prods qu'on va faire, euh, notamment textile pour euh, Angoulême, parce qu'on va faire de la prod textile évidemment. Il y aura des t-shirts, il y aura des peluches, il y aura plein de trucs. Et donc, du coup, il y aura de la couture et donc on a besoin d'étiquettes à nos noms. Donc, on a commandé des étiquettes et tout ça là. Ça c'est fait, ça va arriver. On a pris euh, envoi express parce que bon, on n'a pas non plus trop le time avant Angoulême. Euh, donc, ça va arriver, ça va être trop stylé. Ça va, hâte de voir les tendances pour 2024, savoir quoi chiner sur Vinted. Ah, trop bien! Moi aussi je suis sur les petites marques à chiner sur Vinted en ce moment, je réfléchis à ça. Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de fouiller sur Vinted? Bienvenue Élisiane comment vas-tu? Bienvenue à toi sur ce stream des Actu Mode. Euh, stream chill mode, on parle des nouveautés, on parle des trucs du moment. Euh, ça va être sympa. Euh, j'ai. Parce que hier on n'a pas regardé toutes les vidéos qui étaient... que j'avais mis de côté. Donc, euh, on va pouvoir regarder ça, là. Qu'est-ce que j'ai euh... Hop. Je vais regarder où ce que j'en étais. Tac. Alors. Ah oui, déjà, on va pouvoir regarder sur Tagwalk aussi, comme on le comme on sait. Il euh... y a un truc euh, qui peut être intéressant pour commencer. C'est euh, un, une tierce liste des, des tendances 2023. Ça peut nous permettre de parler un peu, euh, de faire la fin 2023 euh, et euh, du coup les évolutions pour 2024. Ça peut être sympa de commencer par ça. Et après, on pourra aller diguer sur euh, Tagwalk euh, pour aller voir euh, ce qui se passe en termes de tendances et tout et tout il euh, y a peut-être des infos intéressantes euh, voilà hop qu'est-ce qu'on a Tac 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 book news ouais c'est ça. tac... Donc voilà, ça peut être sympa d'aller voir un peu ce qui se passe euh, sur les tendances du moment et tout et tout. Euh, et évidemment, il y a plein de vidéos aussi sur YouTube. Euh, J'en ai mis de côté aussi sur euh, les prédictions 2024. Donc euh, on va voir. Là, pour le moment, on est toujours dans la recherche un peu de nos prédictions. On fera un stream avec Artou sur euh, le bilan de nos prédictions 2024, du coup. Là, pour le moment, on explore, on regarde ce qui se passe, ce que les gens disent, euh, voilà. Et ensuite, on va dire, selon nous, c'est quoi nos prédictions à nous pour 2024. Mais ça, on fera ça dans un stream, euh, peut-être lundi, euh, lundi soir avec Artou. Euh, si Artou est chaud, on fera ça sur sa chaîne. Euh, voilà, pour diguer un peu tous ensemble et tout et tout, quoi. Ça pourrait être très sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens Alors. Sur Vinted, ça peut être sympa aussi d'aller diguer après sur Vinted. Bon, on va commencer tranquille avec une petite vidéo là, sur le bilan des trends euh, 2023, la tier list. Et hop, après, on enchaîne. Euh... Alors attendez. Tac, tac. Et voilà. This video is on va regarder ça. Donc, c'est en anglais, hein, mais je vais vous traduire les trucs. De toute façon, ça parle de mode, c'est visuel, on va y arriver. Euh... Donc, voilà, on va on va euh, faire le la tier list des euh, meilleurs et des pires trends, euh, des, enfin des plus grosses trends de 2023. And euh, du coup, ça peut-être nous ideas for the trends 2024. I am formally tier ranking 2023's biggest and most notable fashion trends. By the way, if you want to participate in future videos like this and or get regular fashion inspo, you can follow me on Instagram at beepworld. So first, let's introduce our ranking system. Okay. Let's hear list. déjà. At the top is S tier. You have done nothing wrong ever in your life. Obviously, my top most favorite trends of the year that I have felt excited and inspired by throughout the year, and still now. Next up. Okay. Mm. Le S tier, c'est celle qu'on garde pour, euh, pour euh, la suite, quoi. A tier is casual enjoyer. These are things I like. I either do wear them or would wear them, but they're just not quite as exciting to me as the S tier. Donc ça c'est. Euh... Ouais, qui a joué Bon, c'est ok, mais peut-être on va s'en lasser. The here is respect the pouch because. I respect it. I am really aging myself with that reference. I fear. The mouse. <laughs> <Respect> <laughs> it. These are looks that aren't necessarily for me. I don't wear them, but I think. Donc euh, les tendances, euh, pas pour nous, mais ok. They're fun. I get the appeal. I enjoy seeing it on others. C tier is go girl, give us nothing. This is for looks that are just completely boring to me. I don't ouais. necessarily think they look bad, but there's just ensuite les tendances, euh, les tendances dont on s'en fout. Nothing interesting or creative about that. D tier is Psyopt. These are trends that I think are only a thing because some hot famous person wore them. And we've now been exposed to them so many times that we've been convinced that they're cute. But... Donc ça, en dessous, en dernier. But I think they look bad. Enfin, non, en avant dernier. <laughs> and finally, we have F tier. Glitch in the simulation. This is for trends that feel like a dystopian nightmare, and I am actively against them. And of course, I just want to state that these are my personal, unqualified opinions <laughs> on these trends, not my opinions of anyone in the pictures I use or of anyone who wears. Évidemment, chacun ses goûts, on est d'accord. Mais quand même, parlons de mode sérieusement. These trends. If I don't like a fashion item that you wear, it is not a reflection on you as a person or even on your style. Really, it's a reflection on my style. I just hate the idea of someone. And being embarrassed to keep wearing something they love because some rando on the internet said so. A lot of people don't like. Oui, non, c'est clair. Euh, Porter ce que vous voulez, assumer, assumer qui vous êtes et ce que vous voulez être. Euh, voilà. What I wear and I still wear it. So I hope you'll do the same. Now that we've got all that laid out, la mode n'est qu'une blague. Hein. Let's begin the rankings. First up, I feel like we have to start with what I think is one of the most defining trends of this year because it is so specific to one event of this year, and that is Barbiecore. This Barbiecore. Alors, qu'est-ce qu'on met? Moi, pour moi, c'est juste une tendance marketing le Barbiecore. En soi, techniquement, ça a toujours été là, mais euh, c'est sous-jacent du bimbocore et euh, le bimbo et imbo, c'est totalement dans l'air du temps. Euh, pour le coup, euh, Barbicore euh, c'est juste euh, bon, c'est juste le la blague quoi. Je sais pas ce que vous en pensez les gens, mais bon, euh, voilà, on est d'accord que c'était juste une blague pour cette année. Cela dit, j'aime beaucoup, euh, beaucoup le rose, hein, euh, c'est ok. Hein. But before in trend videos, honestly, a lot of these you've heard at least some of my opinions on before. But I have already said I am passing on this trend because, although I think it's so camp and so fun, I don't really wear pink or hyper feminine style. So. Mais après, même là dans les photos qu'elle montre, c'est pas pour moi c'est pas barbiecore, c'est juste la tendance du rose dans n'importe quel style. Mais si on regarde les photos qu'elle montre, il y a des photos ultra chic. Il y a des photos genre ça, c'est clairement un look prépi mais en version rose et la photo juste avant, c'était juste enfin euh, bon, tu vois, c'est c'est juste une couleur dans un style, c'est la tendance du rose mais c'est pas pour moi, il y a pas de barbicore vraiment, c'est une illusion. Adidas Sambas. Ah, voilà, on en parle tous les jours des Sambas. Tous les jours, on parle des samba. Quel est votre avis sur les samba Les gens, c'est ultra important. Est-ce que pour vous, ça faisait partie des tendances de l'année ou pas Moi, et en discussion avec les autres membres de Noir Pastel, on est arrivé à la conclusion que c'était la nouvelle euh, et même avec vous le chat que c'était juste la nouvelle Stan Smith et que vraiment, osef, on s'en fout des samba un peu. C'est ce style de chaussure où elle est samba, c'est ce modèle précis de Adidas. C'est ce modèle là que vous voyez. Ce modèle. Alors après, euh, évidemment, il y a plein de couleurs. Là, il est en blanc et noir. Il euh, y a euh, toutes les couleurs possibles, globalement. On peut regarder, hein, mais. Genre. Globalement, il y a plein de couleurs. Moi, la couleur que je vois le plus à Paris, c'est la noire et blanche. Euh, voilà. Après, oui, il y a des couleurs un peu plus originales et tout machin, mais globalement, celle que tu vois le plus, c'est la noire et blanche. Franchement, deux streams actu mode dans la semaine, basé, basé. Ah, merci patato. Moi, je trouve ça aux F sur 20, c'est des Stan Smiths de cette année, comme nous, on avait des converses gamins, quoi. Oui, voilà, je suis d'accord avec toi, Rezati. En vrai, pour moi aussi, c'est pareil. C'est genre, euh... En plus, c'est typical, c'est à la mode, mais que dans une sphère précise de gens euh, un peu bourgeois, tu vois. Genre, c'est typical ça, en vrai. C'est les meufs et les mecs, euh, mais surtout les meufs, euh, genre euh, agences euh, qui portent leurs petites samba comme ça, voilà. C'est typical ça. Les, les meufs qui bossent dans les bureaux, dans le marketing, euh, dans la mode, euh, voilà. Et c'est tout. C'est ultra euh, auto-centré comme, euh, comme tendance de chaussures. Et c'est clairement les. C'est les, euh, les Stan Smith du moment, quoi. C'est vraiment normie de fou. Ah de ouf. Euh, on est d'accord avec ça. On est d'accord. Donc euh, aux F sur 20, on est d'accord. Pour nous en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit

mais c'est pas assez marqué pour qu'on soit contre c'est juste normie quoi. après c'est ultra compliqué à porter euh, le taille basse euh, moi j'aime bien personnellement mais euh, ça dépend quoi ça dépend et après le problème entre taille basse et taille haute c'est toujours pareil c'est que. Ces galères, euh, il faut avoir le haut adapté. Genre, euh, si tu mets du taille basse, ben, faut quand même avoir pour l'hiver des pulls un peu longs ou des t-shirts un peu longs. Et euh, pareil, euh, si tu portes du taille haute, il faut avoir euh, des pulls un peu courts et des t-shirts un peu courts pour que ça passe bien, euh, voilà. Person with short legs and a long torso. So I think I just have to accept that as much as I want to put it in sci it's not actually ugly. I just don't like it. <laughs> Any rise of pants cannot be super amazing, gorgeous, or totally ugly and ridiculous. Like it's just the rise on some pants. That said, it's also not doing anything interesting or exciting or creative. So it's going in. Go, girl. Give us nothing. Ah oui, more Ouais, bon après euh... après c'est pas une tendance euh, à ce point-là moi je trouve en vrai le taille basse. Moi je pense que c'est juste qu'aujourd'hui, tout revient et que du coup tu trouves un peu tout mais euh, bon euh... je sais pas trop. Euh... Je pense qu'en plus les gens sont pas forcément prêts à part l'été les gens sont pas prêts à mettre ça à fond quoi. Y2K, ouais, ok ouais, je suis d'accord, chat noir. Je suis d'accord, c'est en vrai c'est une tendance d'ado et ça le restera toujours quoi. Moi, je pense que tu portes pas ça en vrai, dans la vie de tous les jours. Euh, bon, c'est pas très agréable d'avoir du méga taille basse au jour le jour, quoi. Après, c'est ultra joli. Le transparent, ça a été la tendance, une des grosses grosses tendances de l'année 2023. Et ça le reste pour l'année 2024. Euh, D'autant qu'on a une couleur, euh, on a beaucoup évoqué la couleur pantone de l'année, le pêche euh, clair. Euh, si tu veux travailler ça dans le textile, forcément, tu vas passer par la transparence à un moment donné. Et euh, du coup, euh, ça reste totalement dans, dans, dans les bails du moment. Surtout, les derniers défilés, il y en avait encore. Et du coup, ça prédit les tendances de, des prochaines collections. Donc euh, clairement ça reste euh, de ouf dans les tendances 2024 ça pour le coup. Practical for everyday life and I also don't have the confidence to wear this ever. I'm wearing a lace top right now. I have the confidence for sheer on top but sure on the bottom having like my butt exposed just I would feel like I'm in danger if I wear that out in the world. But après tu peux faire des superpositions, c'est tout l'intérêt du lace. I am happy to see other people doing it. I like it. I think it's cute. I also feel like more revealing fashion trends are always kind of cool because it can sort of push people to get more comfortable with women's bodies, and it minimizes that pressure that women have to cover up and hide their bodies and not like be provocative or whatever. It feels kind of rebellious. Well, bon, après, faut pas oublier non plus le côté ultra sexy de ce genre de tenue et tout quoi. Mais euh, ça peut être au contraire un truc euh, ultra. Euh... Bah, tu sais, genre où tu te sens obligé de t'exposer et tout, quoi, comme les tendances des mini-jupes et tout et tout. En vrai, euh, moi, je trouve que le seul intérêt de ce genre de vêtements, dans le quotidien, si tu es à une soirée ou, tu vois, genre dans un cadre où tu es à l'aise et tout, tu peux mettre des trucs en mode transparence et tout. Après, pour le coup, là où ça a tout son intérêt pour moi, c'est dans le layering, uniquement ça, tu vois. C'est vraiment, ça ne sert qu'à ça pour moi. That way. And also, it just looks like pretty and sexy and cool. Anyone who actually does wear this out in the world, like, I am saluting you, I respect you, and you look hot. So, this is going in respect the pouch. Our next trend is bows and ribbons. Bows and ribbons, especially in the hair, have already been quite popular for maybe two years, but they seem to have grown in popularity this year despite already being huge in 2022. The girls simply love it. They're not sick of it yet, and neither am I. Bows and ribbons. Pour le coup, c'est encore une grosse, grosse tendance, mais c'est une tendance de l'accessoire un peu mineure quand même. Moi, je pense pas que ça va durer autant de temps. Ça va revenir pendant l'été peut-être. Et euh, je ne suis pas convaincue qu'on en voit à fond. Bah, déjà, euh, les très gros nœuds, par exemple, ça n'a pas vraiment pris. Donc, euh, moi, je ne suis pas convaincue que ça reste euh, vraiment à 100% just feels so timeless yet playful. They're like traditional yet youthful, simple. Elle parle des nœuds dans les cheveux, des nœuds un peu partout. Le fait de de faire des rubans euh, des nœuds avec des rubans. Yet ornate. I just feel like they can work in so many different ways. They're so simple yet so powerful. So many of you in my Voilà, par exemple, Instagram replies aussi dit que c'était ton trend favori de 2023. Certains d'entre vous ont dit que c'était ton plus hâte. Et c'est bien. Mais évidemment, le train de Beau train est en plein steam. Et je suis sur le bord. Beaux ont fait rien. Tu vois, genre. En gros, c'est la tendance euh, de mettre des nœuds partout. Que ce soit sur les vêtements, dans les cheveux, euh, sur tes accessoires, euh, de prendre un ruban et de faire un nœud. Et voilà quoi. J'ai même vu sur TikTok, pour vous dire à quel point ça la tendance, euh, des gens qui font des sapins, euh, ils mettent, ils accrochent des nœuds à toutes les branches du sapin, en mode vraiment neurose, euh, petite fille, quoi. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment euh, la tendance, même dans la déco et tout ça, les petits nœuds, c'est la tendance, quoi. En motif, en accessoires, en... voilà. Moi, je pense que euh, bon, ça va rester un peu sous-jacent. C'est un peu un truc d'ado aussi. C'est une manière de customiser ultra facilement n'importe quoi avec euh, des couleurs qui te plaisent ou qui vont avec le reste de ta tenue, par exemple. En vrai, c'est un truc un peu mignon, un peu, un peu facile à faire. Après, euh, de là ce que ça devienne vraiment un motif très, très, très récurrent, je ne suis pas convaincue de ça. On est trop dans un truc normcore euh, au sens large en termes de motifs et tout, pour que ça devienne vraiment euh, euh, un truc qu'on voit dans tous les défilés. Quoi. Next up, we have... Je crois beaucoup plus, comme on disait hier, au motif papillon, euh, qui va arriver un peu partout. Coucou Meme Shiba, comment ça va Ça fait trop plaisir de te voir ici. Bienvenue sur ce stream. Je crois beaucoup plus au motif euh, papillon, comme on le disait hier quand on a regardé le défilé Dior, là. Hmm. Pour moi, c'est un vrai motif qui peut euh, être à la fois sur du motif euh, textile, sur du, du bijou. Euh, moi, j'y crois. Je crois plus aux papillons pour l'année prochaine qu'aux petits nœuds. Oui, bah voilà, c'est trop. Euh, c'est tu t'exposes de trop, quoi. Alors, c'est rigolo pour une soirée, hein, euh, la culotte en paillettes. Mais bon, tu vas pas porter ça tous les jours, a priori. C'est quand même un peu plus difficile à porter. Pour moi, c'est du costume de scène, tu vois. C'est genre euh, parfait pour euh, Angèle qui fait des concerts. Euh, après, bon, euh, voilà, au quotidien, euh, bon, je vois pas trop, tu vois. Ça peut être rigolo, sinon en superposition. Typical, si tu mets par exemple euh, du transparent, une grande robe transparente par-dessus, bah, c'est un peu rigolo, tu vois. Tu fais des motifs euh, un peu. Des, des Tu peux même jouer avec euh, des mélanges de couleurs, tu vois, avec des organzas transparents ou de la tulle ou des trucs comme ça. Euh, ça peut être rigolo. Although I think this one looks a little more ridiculous, the lace dress one is at least like pretty and more fashionable Underwear is oui, Non mais, kind mais of voilà, a... mais okay, oui, bien sûr. Là, c'est juste une photo euh, pour euh, rigoler quoi. It's like nothing, and yet. It feels like a very bold and ballsy move. And I kind of have to respect it on that alone, you know? Especially like if any normal person is doing this. Like when celebrities do it, it's not really as bold. Because, oui, voilà. you know, they can get away with anything. But mm. if you're a regular person doing this, I love that. I fear you, and I mean that as a compliment. This is a respect the pouch trend. Ah ouais, non mais non. Là, pour moi, tu peux pas mettre ça en respect the pouch. Pour moi, c'est clairement glitch in the simulation. C'est clairement qu'il y a une star... Et particulièrement un défilé, le défilé Miu Miu qu'on avait commenté sur cette chaîne, qui a fait ça, donc qui a mis, qui a fait défiler euh, quasiment toutes ces mannequins en petites culottes, mais genre euh, des trucs euh, rigolos sur les collants, machin et tout. Et euh, et du coup, c'est devenu un mème, tu vois. C'est un mème de la mode. Arrêtons deux secondes, tu vois. Genre euh, évidemment que c'est pas une tendance pour sortir avec. C'est rigolo. Donc pour moi, c'est glitch in the simulation. C'est quoi comme tier list En gros, c'est une tier list des tendances 2023, des des, des plus grosses euh, trends 2023 dont on a parlé. Et genre en gros, on met euh, dans la tier list. Euh, est-ce que euh, est-ce que genre euh, tout en haut, c'est est-ce que euh, tu veux euh, C'est genre une trop bonne idée, tu veux garder ça dans ta vie Est-ce que euh, es, euh, tu apprécies mais de temps en temps Est-ce que tu respectes la tendance mais c'est pas ton délire est-ce que euh, on s'ennuie? Est-ce que, genre, euh, franchement, c'est pas ouf? Et euh, enfin, c'est euh, juste une fausse tendance inventée par les stars. Et du coup, on est contre. Voilà, c'est ça les, les différents trucs. Ah! Next up, we have boots ouais non mais attends tu peux pas citer une marque comme une tendance on est... moi je suis pas d'accord avec ça on peut dire la tendance des biker boots la tendance des biker boots elle n'est pas encore revenue on le saurait c'est c'est en train de revenir mais c'est pas encore revenu ça va revenir avec la tendance rock euh, de euh, l'année 2024 donc clairement si vous voulez investir dans des bottes pour euh, l'hiver prochain Globalement, ou si euh, en janvier là, vous voulez faire les soldes, ça c'est le genre de bot euh, qui aura l'hiver prochain. Des trucs avec des grosses boucles, comme on a eu. Euh, bah en vrai, c'est un peu les trucs euh, 2010 à peu près. En vrai, 2009, 2010, on a eu des trucs comme ça à fond. Et eh ben, c'est ce genre de méta de bottes là qui revient. Euh, donc, si vous en avez une paire euh, au fond d'un placard, et bah ressortez-les. Et euh, sinon, euh, si vous, vous si vous aimez la tendance, euh, go investir là-dedans. Il commence à y en avoir un peu, donc euh, en plus c'est pas la méta encore cet hiver, donc vous pouvez investir là-dedans. C'est sûr qu'elles vont être bien soldées en janvier s'il y en a déjà dans les magasins, parce que les gens vont pas là-dessus en ce moment. Euh, ils sont sur les trucs à plateforme, ils sont pas là-dessus. Donc euh, ça peut être sympa, mais c'est pas que les mew mew en précis quoi. One specific model of shoes. Like I said, with the sambas, often I'm like, eh, what makes this version so special? But in this case, the answer is many things make it special. I love these boots. The four buckles on the side, plus the little ring harness at the ankle, rock and then two euh, more buckles across the front. Because it's the trend of rock that revient. back. And in plus, comme we're on the brown marron euh, en ce moment, so yes, oui, effet. This design just like screams effortlessly cool to me. They feel somehow both edgy and rustic. They're oui, voilà, vrai. unique yet versatile. Am I obsessed with them enough that I have had to go like hunt some down that look like this and integrate them into my wardrobe? No, which is why they're going in casual enjoyer. But I really love the look of these. Alors, on va regarder du coup. Euh, but, euh, est-ce qu'on peut regarder genre but? Bot moto sur Vinted, est-ce qu'il y a des trucs un peu comme ça Bot biker. Ah, oh, il y a des trucs déjà. Hein. Des trucs à boots et tout, là. Euh... Ah, bah tiens. Il y a carrément les fausses Miu. Il y a des crari Miu page 1, quoi. Voilà, bon bah je vous montre. C'est un peu ambiance steampunk, ouais, tout à fait, chat noir. Mais c'est aussi parce que c'est la version euh, marron, tu vois, en, en couleur noire. Je trouve qu'elle fait euh, euh, beaucoup plus. Euh, beaucoup plus, euh, comment, dans le délire euh, rocker, quoi. Mais oui, en effet, il y a un, un bail euh, steampunk euh, aussi, quoi. Mais bon, voilà. Et genre, avec les boucles et tout, euh, oui, il y en a, il y en a, il y en a. Donc, euh, ça, c'est un truc un peu, un peu rigolo. Bah, typical. Allez, hop, biker boots. Ouais, il y en a plein, quoi. Donc, c'est le moment. Si vous voulez investir là-dedans pour l'hiver prochain, bah, voilà, c'est la méta. Après, c'est un peu sympa, hein. Les biker boots, en vrai, une bonne paire de biker boots, c'est un peu indémodable, mais en vrai, c'est clairement les Biker Boots Park qu'il y a partout sur euh, Internet. Hein. Pour le coup, les Mew Mew, euh, genre, il y en a plein, quoi. Des crari. Ouais, moi, j'aime assez bien. C'est clairement le genre de truc que je pourrais avoir. Voilà, celles-ci, elles sont cool. Très très sympa. Bon bah voilà, bah c'est validé hein, pour 2024 donc les biker boots. Hein. Alright, next up is Quiet Luxury slash stealth wealth. This as like a style is confusing to me because what makes it quiet or stealthy is that it just looks like normal everyday regular clothes, but it's exorbitantly expensive. I feel like this Gwyneth Peldrow trial outfit encapsulates this perfectly. Like it's just so normal. Le quiet luxury on en a parlé à fond. Euh, c'est la tendance, donc, euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le Quiet Luxury, c'est la tendance des riches à acheter des marques ultra précises, mais où il n'y a pas marqué la marque dessus. Euh... Donc, tu captes pas au premier coup d'œil que c'est des trucs qui coûtent une blinde, mais ça coûte une blinde. En gros, c'est ça. Quiet Luxury, c'est les old, old, old Rich. Exactement, c'est tout à fait ça, chat noir. Moi, je suis dans le Quiet Schlagerie. <laughs> Allez euh, Bienvenue sur ce stream évidemment! On est dans le schlag ici. Bah oui, il faut cultiver ça aussi, c'est rigolo. Bon, clairement pour moi, le Quiet Luxury, c'est une tendance sans être une tendance. C'est simplement qu'on s'emmerde dans la mode en ce moment, c'est ça que ça dit. Euh, que, euh, que on veut que des fringues unies, euh, beige, marron, euh, kaki et noir. Euh, voilà. Looking honestly, the actual values behind this whole stealth wealth quiet luxury thing feel more like psyop or glitch in the simulation status because, like, tricking ourselves into thinking we can look or be anything like the uber wealthy by wearing neutrals is truly delusional, but I'm ouais. trying to rank these purely on the look of things so. Oui, ça donne rien, oui, c'est ça. On dirait que tu t'habillais chez H&M, sauf que t'as que des trucs à 1000 balles minimum sur toi. Bah ok, let's go, fais ce que tu veux de tes sous, qu'est-ce que tu veux. We have it But there is... Ouais, non, moi je pense pas qu'il y ait une vraie tendance du corp-corps. Ça, c'est juste sur TikTok, on a envie de dire que euh, les gens qui travaillent dans des bureaux, ils s'habillent corp-corps, et du coup, il fallait qu'on les définisse par un nom euh, mais en vrai, ça n'existe pas. C'est les CSP+. Voilà, exactement. C'est euh, ouais, c'est random. Hein. C'est random de fou. Euh, c'est pas une tendance vraiment, quoi. It's definitely a trend towards neutral, more formal corporate attire outside of a corporate setting for fashion purposes. Oui, à la really limite, know. si t'es dans la tendance Jennifer Aniston années 90, euh, oui, évidemment, tu vois, Jennifer Aniston dans Friends euh, qui va au bureau, oui, il euh, y a un petit délire de corp corps mais version 90 qui est rigolo, tu vois. Pour moi, c'est la version euh, bimbo euh, du. Du, du, corp du corporation, quoi, corporative. I la bimbo au travail. C'est rigolo un peu. I feel like kind of that lead... En fait, c'est juste un retour du tailoring, c'est juste un retour du tailleur dans, la, dans, dans les podiums. C'est-à-dire que sur tous les derniers défilés, il y a eu beaucoup, beaucoup de euh, tailleurs euh, qui reprend un peu plus de place par rapport aux grandes robes et tout dans les défilés. Euh, notamment, on l'a vu quand on a commenté euh, le dernier défilé Hugo Boss, donc euh, Boss qui est de retour avec euh, du, tout ce qui est costume, euh, costume, tailleur, euh, etc. Ultra euh, taillé, ultra euh, sophistiqué, euh, avant-gardiste et tout. Euh, c'est le retour de cette tendance-là les, sur les podiums, c'est juste ça. Après, euh, techniquement, tu peux être euh, corp corps et bien t'habiller. Hein. Genre, euh, en vrai, corp corps, ça veut trop rien dire, tu vois. C'est genre. Euh, oui, t'es normie, tu vois, mais tu peux être. Euh, parce que tu peux avoir des tailleurs et être ultra stylé en mode. Euh, si t'as que des tailleurs tartans tous les jours, par exemple ben, bah on pourrait dire en soi que tes corps-corps et pourtant on va pas définir ça comme ça quoi. All right, next we gotta talk about the mischief big red boots at first when yeah, i big remember big this boots. i was like were these even a trend really or blague. just like a random gimmick and then i googled it and discovered they sold out within minutes a bunch of celebrities were spotted wearing them and now you can get knockoffs from shein amazon and timu so i would ah, say a place in this ranking that said i really don't know what to make of these like do they feel like fashion to me at all? No. Are they potentially kind of interesting as a concept/art slash piece/artifact of this particular moment in history? Yes. They are fascinating. Do I respect them? Ultimately, no. <laughs> I just don't Ah non, pourquoi? Moi, je trouve ça un peu rigolo. En vrai, j'aime bien, euh, bien les proportions que ça donne. Pour de vrai, je les trouve vraiment cool les bottes, mais pour moi, c'est du podium, tu vois. C'est genre, euh, c'est vraiment ce, comment c'est vendu. C'est c'est de c'est de l'art, tu vois. C'est genre euh, c'est du troll et euh, c'est de l'art. Euh. Une grande partie de la mode, la mode, c'est à la fois fait euh, de pièces qu'on peut porter et à la fois fait de pièces qui nous qui nous challenge dans le but qu'on évolue sur ces sujets-là, tu vois. Dans le but d'apporter autre chose, voilà, tu vois. Et en vrai, ça marche parce que tu vois, c'est un peu une tendance. On a le retour des bottes, on a le, on a le retour des gros pieds quand même, des skate, choo... des skate shoes, euh, De la, enfin voilà, il y a eu quand même une ère du... des grosses chaussures quoi qui est revenue. Donc pour moi, ça a fait son job en fait. Après, j'ai vu un outfit sur Insta avec les grosses bottes version noire, c'était ouf. Enfin, j'aimais bien en tout cas, mais moi aussi j'aime bien, hein, j'aime bien. Hein. J'aime bien, la, la, j aime, j aime bien euh, le style, les proportions que ça fait euh, et tout ça, tu vois. Parce qu'en vrai, ça te rétrécit beaucoup les jambes, ça te grossit les pieds, ça te diminue la longueur des jambes. C'est rigolo, quoi. Euh... Oui, personne va sortir avec ça, mais elles sont marrantes, voilà, c'est ça, elles sont challengeantes. Alors attendez, je vais regarder le lien du coup. Hop, alors, tac. Ah. Euh... On va regarder. Je vous montre. Oh, le look est cool hein. est ce que vous voyez bien montrant comme ça moi j'aime bien un hein, premier degré je trouve ça très beau hein. c'est rigolo parce que c'est même pas choquant en fait la forme euh, par rapport à son outfit tu vois je trouve que le, le look est pas choquant ni rien et c'est ça qui est un peu rigolo Les proportions sont ok quoi. Avec les proportions de la meuf, ça marche super bien. Oui, je suis d'accord aussi. Mon CGG t'es quoi raison Il y a vraiment ce côté Astro Boy, je trouve. Oui, bien sûr, bien sûr, ouais. À premier degré, j'aime bien. Premier degré, j'aime bien le outfit. Euh, ça passe grave bien. Mais euh, mais voilà quoi. C'est après, c'est c'est. Tu sais que c'est pour euh, être original que tu portes ça et. Euh... Et euh, c'est pour challenger euh, la mode, quoi. I've Donc on n'est pas d'accord avec elle, du coup. On n'est pas d'accord. Euh... Sort of so ouais, non, je suis pas d'accord aussi. Tu vois, moi, franchement, j'aurais mis plus. Euh... Pour moi, j'aurais mis. Euh... D'autres trucs, genre par exemple euh, euh, le style euh, Quiet Luxury, par exemple, pour moi ça va en, en truc euh, final, tu vois. Parce que pour moi ça veut rien dire. C'est une invention des riches euh, et du monde de la mode, tu vois. Elle a pas la ref Astroboy, Boy, ouais, je pense. Mais en tout cas, moi j'aimerais bien voir plus de grosses chaussures à l'avenir. Bah, je suis d'accord, Patato. Genre les designers s'amusent avec les proportions. Bah, je suis d'accord aussi. Ouais, elle a pas les rêves. Elle a Excellent. pas les rêves. Genre, comme avec les chaussures proportion bébé qu'on a vu l'autre jour. Ouais, c'est ça, Patato, je suis d'accord aussi. Mais c'est vrai qu'il y, de... y a peu de gens qui s'amusent vraiment avec ça et c'est un peu dommage.

Euh, pour nous, ça a un autre côté, quoi. Moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu plus rock euh, de porter du jean, quoi. Le jean, c'est quand même moins classique chez nous. C'est moins, c'est moins tradi. euh, Les tradis euh, les tradicato ou gens dans le, dans, dans ce, dans ces bails là ils, ils portent pas des trucs comme ça ici en France. Donc c'est pas pareil. On n'a pas la même vision de ça. Après. Euh, les, les jupes en jean longues, euh, moi je suis d'accord. Moi j'ai cédé à la trend, j'en ai une. Euh, pour le coup, je la mets pas à ce point-là. Je la mets pas mal l'été, mais bizarrement, je la mets pas l'hiver ni rien quoi. Donc bon. Je sais pas, c'est 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 peut-être on s'ennuie un peu quoi. Never look good to me. And although I can respect the fashion girlies wearing them, and I know it's kind of arbitrary that I don't like them, it would definitely take some psychological manipulation to get me into this look. So for me, it does have to go in psy opt. Our next trend is. Ballet flats, and honestly, this is one that for me really depends on the particular shape and style. Like if it has a pointier toe, I like it more. If it's actually not a flat and it has like a little bit of a heel, I like that more. If it has some strap across it, but the actual true classic simple ballet flat, I kind of hate. I just cannot. Ah, je comprends aussi, mais euh, après, ouais, c'est sûr, mais c'est une méta quoi. Hein, les, les ballerines, c'est clairement une meta Moi, je pense qu'on peut dire que, en vrai, c'est une tendance qui peut être, euh, je sais pas, assez mitigée, quoi. Genre, en vrai, j'aime un peu bien ça, mais en même temps, euh, c'est compliqué à porter. C'est 2000 corps. Ah, de ouf. Hein. De ouf. C'est tellement ça. Ouais, c'est logique, c'est logique. C'est tier, je suis d'accord aussi. La ballerine, c'est tiers, euh, à côté des sambas, ça me va très bien comme, euh, comme place, comme position. Je pense que c'est ok. There is also or creative... Coucou Camilo, comment ça va Bienvenue sur ce stream mode. Of this year, I think. And I actually... Moi je l'ai pas vu cette tendance, hein. franchement, on va regarder après, mais moi je l'ai pas vu de ouf cette tendance. Hein. love the look of these. I think it's very beautiful and elegant. And even like it could fit into my style. It's how this style looks on my particular body shape that I don't love. Because I have sort of wider shoulders compared to my hips, which are quite narrow. And for that reason, they must go into the B tier. Because I do not wear this look. But I do think they are. C'est une tendance cap-up, oui, de ouf, c'est une tendance cap-up, Chat Noir, je suis d'accord. Après, moi, j'ai toujours trouvé ça ok, euh, les tops euh, en dessous des épaules, là. Mais zéro dans la vie normale, ouais. On en, voit... enfin, ouais, on en voyait un moment, mais ouais, c'est pas trop la méta quand même. C'est pas revenu vraiment. Hein. C'est un peu une fausse tendance. C'est une tendance Pinterest pour moi. You are one of the most of Perso, j'aime pas. Ouais, bah après, en plus, c'est pas forcément très confortable, tu vois. Moi, je trouve ça ok, mais pour une soirée. Après, euh, toute la journée, c'est un peu chiant parce que dès que tu bouges, le truc il remonte. Euh, c'est pas pratique cette année pour beaucoup de gens et ils sont vraiment beaux sur beaucoup de gens. Next up, we have the clean girl aesthetic. And this is the epitome of Go girl, girl Give Us Nothing if I've ever seen it. I don't even oui. feel like I really understand what makes this an aesthetic. Non mais It's alors, just ça, like... alors ça, c'est abusé. Hein. Ça, c'est abusé. C'est vraiment euh, normicore quoi. C'est genre tu vas chez Arquette et tu t'habilles que chez Arquette et puis c'est tout, quoi. Genre t'es habillée que avec euh, des débardeurs blancs, euh, des, des baskets euh, random, enfin euh, voilà, c'est le normcore quoi. Like wearing natural but pretty makeup with gold hoops and putting your hair in a little C'est américaine.jpeg. Slick bun? I just don't feel like that warrants an aesthetic category. It just doesn't tell me anything about you as a person, which is fine. Pour moi, dit... C'est même pas une tendance pour moi. C'est un peu, genre, en vrai de vrai, c'est un peu euh, la méta euh, Lena situation, je trouve. Euh, comment elle s'habille et tout ça, souvent, elle dit tout le temps euh, t-shirt blanc, jean bleu, euh, petite, euh, petit mocassin en cuir, et puis voilà, quoi. C'est clairement euh, Lena Core, quoi. C-tier The clean girl aesthetic. mais pour moi c'est juste une tenue euh, des, des, des normes corps euh, de quand ils veulent s'habiller au quotidien et qu'ils ont pas le time quoi color mais ça c'est trop bien le, le la touche de rouge c'est très cool c'est dans les tendances 2024 encore oui s'il vous plaît plus de rouge c'est bien le rouge c'est une jolie couleur in the Instagram replies. and I am right there with you. I mentioned this in two fashion I'm loving right now video this year. Oui. I'm not really one for the red monochrome thing. I don't really ah ça c'est un peu démodé le monochrome rouge. C'est pour le coup, on est plus dans la méta monochrome, euh, c'est c'est plus dans l'actualité monochrome color, je suis d'accord. Des petites chaussettes rouges là comme ça, des trucs comme ça, ouais, c'est bien, c'est très sympa. Pour le coup, dans les ventes de chaussures, ça marche de ouf. Ah, on dirait, elle a la même veste que moi. Regardez, ah, j'ai la même veste. Incroyable. J'ai la même veste. Voilà. Moi, je suis, euh, je suis tendance, n'est-ce pas les gens? Il me faut un petit pop de rouge. Est-ce que je l'ai? Oui, j'ai les petits cœurs rouges. Parfait. J'ai le même look que, que la fille sur la photo. Perso, j'aime pas. Ah ouais, t'aimes pas le rouge, toi? Ou ah non, t'aimes pas euh, le en dessous des épaules, c'est ça? Après le short, hein, parce que on voit euh, la meuf là sur la photo, elle a un short euh, ou une mini jupe, mais je pense c'est plus un short. Euh, le short euh, très 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 tendance. Moi, je suis en recherche de short en ce moment, euh, justement pour mettre avec des collants et tout, mais en, en version un peu plus rock, plus dans ma DA, parce que euh, on rappelle, euh, on, a, on avait parlé de nos DA avec Artou et tout ça, on avait redéterminé nos DA et tout, et euh, du coup, euh, moi, j'ai envie d'être dans une ambiance un peu plus rock anglais et tout. donc euh, short, un peu plus rock avec, euh, avec des colons ou des chaussettes ou des trucs comme ça ça je trouve c'est cool that doesn't really explain why we're all so excited and delighted by this regular ass color in this particular year of 2023 but i'm i'm still riding the wave a pop of red just hits different i feel like i love what it adds to basically every single outfit this is an s-tier trend next je suis d'accord je suis d'accord je mets en aussi. those chunky pendant necklaces je dé the genre de truc I these i do actually have to come clean i have to atone for my previous mistake in a previous video i described these as plastic pendants and many people corrected me in the comments and let me know actually they're usually made of glass which does Oui ou de, en verre ou en avec des pierres genre euh, des pierres pour de vrai hein. Ça make a lot more sense and also improves their standing for me a, a little bit so thank you to the people who informed me about that. That said these do still kind of remind me of jewelry I got like as a McDonald's Happy Meal toy or in. Mm, ouais bof ah oui ça c'est des trucs en verre et tout ouais. Oh je suis pas très fan en vrai pour moi c'est. Typical le genre de souvenir que tu ramènes quand tu vas dans un village d'artisans quelque part en France. Il euh, y a toujours un artisan qui fait du verre comme ça, là, et tu vas racheter un pendentif comme ça parce que tu pas la thune d'acheter un vase en entier. Euh, voilà, globalement, c'est ça euh, c'est ça la méta. A Halloween costume as a child ah Ouais, non, mais euh, tu forces là quand même. Non, c'est pas ça quand même. And for that reason... Et après, en soi, euh, j'aime bien les versions plastiques, perso. Ouais, ça, ça a été une grosse tendance aussi, on en voit quand même pas mal à Paris et tout. Euh, pour le coup, euh, elle dit qu'elle aime pas les gros colliers et tout ça, alors moi, pour le coup, c'est totalement l'inverse, j'adore les grands colliers. Euh, les gros colliers au cou, là, je trouve ça très stylé. J'en ai essayé d'ailleurs en boutique vintage, euh, c'est compliqué de trouver des beaux bijoux en boutique vintage et tout, mais quand tu trouves des beaux colliers et tout là, c'est trop bien. Ah ouais Ridicule Vous trouvez ça ridicule, la rose autour du cou là Moi je trouve ça ok, ça dépend de la tenue, tu vois, mais c'est ok, euh, je sais pas, c'est un petit accessoire rigolo. One large round fluffy shape, like at your neck, just looks so. Oh, moi, je trouve ça okay de ouf. Silly and wrong to me. It looks disproportionate. And like I can admit, the flower choker can. Je suis d'accord avec elle. Ah, ouais? T'aimes pas du tout toi la rose autour du cou? Work when you commit to like uh, the gothic romantic maximalist style that they sort of historically originate from. But the trend was not really that. The trend was just adding these onto any outfit with no context, which looks so ridiculous to me. So ah ouais. these are also Moi going inside. Okay. Next up, we have Mary Jane's, and despite not really owning any of these, the clothes I have les are Salomés. these guys. Ah oh, non, mais ça, je suis désolée, mais affreux. Hein? love this trend this kind of feels like it's taking what's appealing about the ballet flat a sort of slim lower profile girly dressier shoe and then resolving everything I don't like about the ballet flat by adding a thicker sole often a little heel and a strap across it plus these do not have to be low profile they can also be thick and chunky and I really Oui, ça, par contre, moi, je suis d'accord que en version euh, plateforme talon et tout ça, c'est très sympa. De toute façon, c'est un classique. Euh, voilà. They feel classic yet playful. Are we noticing a theme in my S tier trends? That's really just the intersection of fashion that I love. And yeah, these have done nothing wrong ever in their lives. Next, asymmetrical tops. I feel like ah, moi, j'aime bien les tops asymétriques. Ça, c'est mon truc. But very de toute façon, on est dans une tendance, évidemment, avec le retour du tailoring. Moi, je trouve que je mets ça en rapport avec le retour du tailleur. Euh, retour du tailleur, pour moi, c'est forcément retour sur le travail des coupes de vêtements. Et donc, fatalement, euh, l'asymétrie. Parce que euh, du coup, tu peux t'amuser avec une veste tailleur, une jupe tailleur, une robe, un top qui va dessous, dessus, machin. Et euh, tu t'amuses avec euh, le côté asymétrique, quoi. Pour moi, c'est vraiment euh, dans le tailleur et par le tailleur que ça revient, cette tendance. Je suis d'accord aussi. dynamicism, the creativity you can have with them i don't feel the need to go out and look for it but ultimately i would own it like i would wear this and i like it so i think that earns it casual enjoyer status in the a tier mm. asymmetrical skirts ah, the... pareil. alors ça par contre j'en ai pas vraiment et ah si j'en ai une mais qui est plus dans la méta du moment et euh, pour le coup j'aimerais bien en avoir plus on the other hand an easy s tier for me. I love them for really all the same reasons I love the asymmetrical tops, ouais. but I like these even more because you can reversibly DIY the asymmetry by like safety pinning up parts of long skirts you already. Have. Aussi, ouais, vrai. À j'en ai vu plein sur Insta aussi. Have and also an asymmetrical top can feel kind of off on your body sometimes, like it feels unbalanced, but an asymmetrical skirt, I've never really felt that way. I also think it applies to more weather situations. Basically, these skirts have no flaws and have done nothing wrong ever in their lives. Next, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Moi, je valide aussi. Except, so, we have the intentional exposed bra look. I don't even know if this is like a full on mainstream trend yet, but I felt like I had to talk about it because we saw it on so many celebrities this year. We got Sydney Sweeney, Scarlett Johansson, Olivia Rodrigo's album cover. This late 2000s early 2010s trend is coming back, people. I... Ah ouais, for moi c'est juste une tendance euh, de de photo quoi ou de look un peu euh. mais c'est très moi je Enfin, après, c'est logique, étant donné qu'on a fait des défilés entiers avec euh, des, des petites culottes sur des, sur des, sur des collants. Évidemment que euh, le soutien-gorge aussi revient, euh, revient et en version exposée. Il euh, y, y a trois ans, on le mettait carrément sur les tenues. Euh, voilà, Donc, euh, bon, c'est logique qu'il revienne d'une manière ou d'une autre. De toute façon, il, il est obligé de revenir en version euh, mode il euh, y a de plus en plus de personnes qui ne veulent plus emporter euh, pour le côté pratique de, 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 du vêtement, euh, en, en tant que sous-vêtement pur, il euh, y a beaucoup moins de gens qui achètent. Donc, fatalement, il faut qu'ils reviennent sur euh, un aspect esthétique. I have such distinct memories of like my cool older teen sister dressing like this at that time, and her friends, and my friends' older sisters. I think a lot of people hate this, but I like it. I don't know. It's weirdly really, like nostalgic to me. I think like some of the other more revealing trends I've discussed in this video, it feels a little rebellious, a little. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, euh, oui, bah, faut avoir, euh, faut avoir des, des versions un peu sympas euh, qui vont bien avec ta tenue tweet ou quoi. Bizarre un peu de le faire sortir comme ça de son haut. Oui, je trouve ça un peu bizarre aussi, mais bon, après, euh, si, si c'est fait pour, tu sais que c'est prévu pour euh, que voilà, pourquoi pas en vrai. Ouais, c'est ça, Bah, c'est typique la méta. Alors ça, c'est clairement une méta euh, 2010. Hein. Même 2009 ou quoi, euh, pour moi, ça fait vraiment ça, hein, ce genre de tenue, les grosses lunettes. Euh, c'est tu vas en vacances à Saint-Tropez, euh, mais euh, tu viens de la région parisienne, quoi. Pour moi, c'est ça un peu. C'est typicole, ça, euh, cette tenue. A statement and take ownership of things that are normally, you know, expected to be hidden and covered up. This is again one I don't really see myself wearing because I don't even wear bras usually. <laughs> and I think a lot of these more revealing, sexier trends like feel cool to me, but I feel too shy to wear them. So this is going in B tier. Definitely respect it. Next, the Bagu ex Sandy Liang. I don't know if I'm saying her name right, and apologies if it's wrong. Collab bow. Ah, ouais, le Sandy Liang, de toute façon, euh, grosse, grosse tendance, grosse marque tendance des réseaux sociaux de 2023. Franchement, euh, c'est clairement ça. Hein. Pour le mettre en valeur, je trouve ça plus sympa de jouer avec la transparence du haut. Je suis d'accord, euh, mais je suis d'accord aussi avec toi. Moi, c'est un peu plus euh, ma méta. Après, tout dépend de comment est ton haut et comment, euh, comment tu, tu portes les vêtements et tout ça, quoi. Mais oui, en soi, je suis d'accord que des transparences, c'est un peu plus sympa pour jouer avec. Moi, ce serait plus ma vibe aussi. Mais pourquoi pas, pourquoi pas euh, Oui, Sandy Liang. Euh, je sais pas comment ça se prononce non plus. Euh, je voudrais regarder carrément le site parce que euh, c'est vraiment la tendance du moment. Est-ce que vous avez regardé. Vous en avez entendu parler, vous, cette année ou pas Sandy Liang. Là, comme ça. Alors. Shop Hall. Voilà. Ce genre de méta. Euh, après, bon, il y a des trucs assez classiques et tout. Le col marin. Euh, la tendance du marron. Absolument pas. Donc, c'est une, une marque qui a vraiment euh, décollé à fond cette année euh, dans une tendance un peu euh, euh, moi je trouve euh, comment comment on peut dire euh, ballet corps euh, ce genre d'esthétique petit nœud ballet corps euh, euh, voilà ce genre de truc très euh, très euh, Tendance un peu K-pop euh, et tout ça sur certains aspects. Il y a des trucs sympas. Ah, oui, carrément, ils font des pulls pour chiens. Voilà, donc euh, c'est ça du coup, Sandy Liang. Et il euh, y a des, des accessoires précis qui ont beaucoup marqué. Donc les nœuds dans les cheveux. Euh, ce genre de choses là qui ont beaucoup marqué internet cette année de cette marque. Euh, voilà les petits nœuds, la broche, petit nœud, euh, ce genre de choses. Le petit, euh, le petit triangle, les petites pointes là, comme ça. Ça, moi j'aime assez bien. Euh, voilà ce genre de truc en accessoire de cheveux, les grands nœuds. Ouais, c'est ça. Très très petite fille, quoi. Le chouchou euh, fleur plat, là. Forcément, ça me parle. Évidemment, euh, j'ai fait des barrettes. Euh, vous voyez bien les barrettes que j'ai que j'ai fait cette année. Des barrettes noires pastel. Je vous montre. Évidemment, euh, voilà, euh, c'est les méta, quoi. C'est les méta. Les petites barrettes. Le grand nœud, j'aime bien, ouais, ils sont cool. Moi aussi, j'aime assez bien les grands nœuds. C'est un peu des trucs gimmicks, quoi. Même la petite, euh, le petit voilage et tout ça, c'est rigolo. Hein. Voilà, voilà. Donc c'est ça, Sandy Liang. Et euh, ça a vraiment flou d'internet en termes de tendance cette année. Hein. Clairement, euh... bag. I mean, this bag is adorable. Simple, cute, a great collab. That said. Do I think it necessarily warrants the hype it received? It literally sold out in minutes. They're now selling for more than double the original price, secondhand. And like, I get why people were so drawn to this. I get why it was such a huge success because oh, la it's la an limite, accessible, euh, affordable hein? Pas très comme ça, bag that has you know the attachment to this really cool designer that like young women love right now. And it's cute. It's adorable. However. Do I think it's attachment to the designer was a bigger part of its appeal than actually this being like the best most amazing most exciting and revolutionary bag of all time? Yeah, I think it's because Sandy Liang's name was attached to it, especially because oui, like you on could easily DIY on this. so this is all to say, this is an A tier item for me. I would use it. I like it. I'm a casual enjoyer, but it's just not worth the S tier hype that it has gotten. Uh, d'accord aussi. C'est assez Next basique up, quand même. Crocs. Mais par Crocs. contre, je l'aurais mis euh, en dessous des bottes euh, de biker, hein, parce que les bottes de biker, euh, c'est quand même vraiment une tendance pour l'année prochaine. Alors que le sac, bon, c'est juste un gimmick pour cette année. I get that people have that awareness and it's kind of this like goofy, ironic fashion thing. And also, a lot of people just wear them casually as like slippers and not like for fashion. But the fact that these are having a fashion moment at all with like high end designer collabs. Bah oui, bah oui, mais les Crocs, ça va rester là un moment. De toute façon, It's ça fait longtemps que c'est installé. Hein. In the the Il y aura toujours un bail avec les Crocs. Maintenant, euh, tu vois, c'est un peu comme les hugs qui sont revenus et depuis le temps euh, qu'on disait que c'était nul à chier déjà qu'on s'est sorti, et pourtant ça revient euh, de manière obsessionnelle pour les gens, quoi. Donc euh, les Crocs, c'est pas fait pour partir. Alors après, euh, pour le coup, euh, moi je ne suis pas Team Crocs du tout. Euh, pour le coup, j'aime beaucoup euh, les Crocs à plateforme. Euh, J'ai vu des gens dans la rue porter des Crocs, des crocs à plateforme. Genre euh, un gars euh, clairement dans la mode, parce qu'il avait un rouleau de tissu avec lui. Et il revenait d'Aubervilliers, donc c'est sûr, il était allé chercher euh, un rouleau de tissu, quoi. Euh, et euh, qui avait des, les super crocs à grosse, grosse plateforme en rouge avec un jean euh, un peu baggy, bleu et tout. Et euh, franchement, ça, ça allait super bien. Moi, j'avais trouvé ça très cool. Donc, il y a plein de looks comme ça à Paris où, où je vois des crocs et je me dis, ah ouais, c'est stylé. Pour le coup, jamais je me verrais porter ça, quoi. clairement. Put them anywhere else. <laughs> Alors ça par contre j'aime bien, pour le coup les, les tennis euh, comme ça là c'est pas du tout dans ma DA donc euh, clairement je vais pas acheter mais euh, j'aime bien ces trucs là moi, je sais pas, je pense euh, tout le monde va trouver ça horrible mais je sais pas moi j'aime un peu bien. Belle flats. And I feel like you all are going to be shocked to hear me say I like these. Ouais moi aussi j'aime. Je me dis à moi parce que je "What do you mean? You like that? How is it that I don't like Belle flats or Sambas or any other ugly normal Ouais Mais c'est beaucoup shoe, plus euh... Ah je connaissais pas ah, ça non plus, il y a un del. Ah voilà, on est d'accord. Moi j'aime bien les trucs comme ça. J'aime bien ces trucs-là. Je trouve ça un peu bizarre. On dirait des chaussons un peu quoi. Après les semelles, elles sont un peu plus confort et tout. Euh... bon vous voyez, je trouve il y a un del moi. Et puis aussi, j'aime beaucoup les laçages. En vrai de vrai, j'aime beaucoup l'effet euh, corset, corset laçage et tout ça. Et euh, surtout quand ça monte sur les jambes et les chevilles et tout, je trouve ça euh, très joli. Et euh, genre typical, j'adore les espadrilles avec euh, juste à cause des lacets que tu montes autour de la jambe, quoi. j'ai toujours trouvé ça cool. Alors au final, j'en porte pas, mais euh, j'aime bien ce genre de choses other 2000s trends and yet something about these is appealing to me i don't know alors là par contre en noir et rouge je trouve ça un peu cheum mais Either. i can't explain my own psyche they just feel like such a weird blend of like sporty and girly and oui, also some kind ça. of like medieval peasant shoes on look avec of... les collants blancs collants blancs encore une fois moi pour moi c'est un truc surtout ce style de collant en mode dentelle un peu bizarre et tout ça euh, ultra, ultra tendance. Hein. Moi, j'en cherche des trucs comme ça. Euh, j'en ai trouvé un, mais qui est écru. Et euh, des blancs comme ça, j'en trouve pas vraiment. Euh, C'est assez dur à trouver. Et pourtant, euh, je trouve ça trop, trop stylé, les collants comme ça, là. Futuristic and space agey at the same time. I can't explain it and I don't really actually see myself wearing these. They don't really seem like my style necessarily, but I like seeing them. I think they're fun. I don't know why these Ah oui c'est comme euh, les... Y'a une collab euh... Alors, Attendez, est-ce que je vais la retrouver la collab? Uh Hop. les trucs du moment est-ce qu'il y a les chaussures sur happy99 alors peut-être là sur leur insta j'ai vu une autre paire de chaussures aussi que j'ai trouvé incroyable euh, voilà je vous montre bon c'est un autre d'elle hein, mais je les trouve trop belles c'est un autre Dell, mais en même temps, ça a un peu rapport. C'est les Happy99 Online, a Cross, Reebok, la nouvelle collection, euh, les, deux, les deux modèles de, de basket là. Elles ne sont pas trop cool. Moi, je les trouve trop stylées. Hein. sont trop bien. Elles ont des petites chaussettes de chaussures. C'est trop mignon. Avec des petits dessins dessus. Je trouve trop belle. Hein. Regardez, les petits dessins. Moi, j'achète de ouf. Hein. Bon, dans les faits, j'achète pas parce que voilà. Mais, euh, mais, mais c'est très cool. Elles sortent demain, du coup. 15 décembre, on est le 14, donc elles sortent demain. Je sais pas à quel prix elles seront. Ah, il y en a de, des gens qui demandent. 250$ Ah putain, c'est cher. Pas mes couleurs, mais j'aime bien la forme. Ouais, on est d'accord, elles sont trop cute. Hein. La forme, j'aime trop aussi. C'est trop bien, voilà, je les trouve trop cool. Je voulais vous montrer ça. respect the pouch from me. Next item on the docket: over the knee, super baggy shorts. I actually really like the movement towards longer and baggier jean shorts in general, but for me, once it's at the knee or lower, it looks ridiculous. It makes people's legs look so disproportionate. Ah bon? Moi j'aime bien les Bermudas, j'ai toujours aimé ça. feels like something where I don't know if anybody saw this as an introductory beginnings of a trend and immediately was like oh my god I love J'ai même failli en acheter un en donc that's so me it looks so cute this feels more like something that everyone like hated at first and then only got into after seeing it over and over again and coming to accept it into their brains via repeated exposure so to me this is this is a textbook PSYOP trend that is where it's going Ah, moi je suis pas d'accord avec ça. Pour le coup, moi j'aime bien les Bermudas. Je trouve c'est très cool, ça va sur plein de gens. C'est versatile. Tu peux le mettre en hiver, en été. C'est rigolo. T'es à l'aise dedans. Euh, je vois que des avantages euh, aux Bermudas, euh, personnellement. Sports jerseys. I was honestly quite surprised how many of you on Instagram cited this as your most hated trend of this year. Ah ouais, carrément. Because my instagram. tous les anti-sport quoi et même moi qui suis anti-sport je suis pas contre les jerseys quoi. audience and i we're obviously in agreement on most trends but i really like this one even though a lot of you seem to hate it i don't know if i actually like all sports jerseys but i really like soccer jerseys and that seems to have been like the main one that was the trend this year it feels sporty and playful yet kind of classic. Ouais, c'est rigolo franchement. Again, like a lot of the trends I like, and it's kind of like a T-shirt, but just a little more interesting. Maybe it's also because both of my sisters played soccer growing up, and so I have this sort of like nostalgic association with an attachment to soccer jerseys. I really didn't know people hated them so much, but I love this look, and I am bravely. going to put this in you have done nothing wrong ever in your life this is an stiri i'll say it's next -tier, up Uggs. i still cannot believe ugs are revived from the dead in this year of our lord 2023 oui non mais ça reviendra tout le temps euh, les ugs ce sera jamais fini parce que c'est confortable et que les gens aiment bien le confort c'est juste ça hein. I actually think these were kind of more popular last winter. But last winter was also 2023, so I'm still counting these in 20. C'est Birkenstocks. Je suis désolée, mais c'est juste là parce que c'est confort et que les gens sont contents de voir que c'est à la mode. 2023's trends, and they're definitely still a thing this year, but. I'm not a fan, obviously. To me, Uggs are kind of like the Birkenstock Bostons, which maybe we oui, voilà, d'accord. Yeah, I also should have put in this video in that they were so ubiquitous in my middle and high school years that to me, they feel so generic that they tell me absolutely nothing about the person wearing them. So in that way, They're sort of a go-girl-give-us-nothing -girl shoe, except that I also personally just don't like how they look. <laughs> Maybe that's... Et en fait, je pense que personne ne voit ça comme un truc... Enfin, il y a vraiment les mid-fashion qui voient ça comme un truc fashion, mais en vrai de vrai, les vrais fashion portent ça parce que c'est le basique. Tu sais, genre pour eux, c'est pas un truc tendance, c'est juste un basique. C'est juste que c'est pratique et que donc du coup, ils mettent des hugs ou des Birkenstock parce que c'est facile à enfiler et que c'est... Because of the associations I have with them with that style of like. Oui, bien 2000... sûr, bien sûr. Bah, oui, bah, c'est comme ça. ten, I just think in pretty much every outfit, a different shoe would look better than Uggs or Birkenstock Boston's. These are old psyops to me. I feel like they required repeated exposure for people to like them again. So, D tier. Our next trend is coastal cowgirl and first and foremost i would like to say this wasn't even really a meaningful trend right like this les was a manufactured centiagues. industry plan trend imagine trying to explain it to a 17th century lord from what i can tell all this really means is like wearing cowboy boots and a white dress and you're standing on the beach which is an absolutely go girl, girl give us nothing moment la oh la. Okay, bon, après, l'américaine aussi, tu m'étonnes que les Américains en ont marre des Santiago, pour eux, c'est le basique quoi. Ça, c'est bien ça, moi j'aime bien. Les 550 euh, New Balance euh, qu'il y a sur la photo, les classiques normies, voilà, c'est le look normie euh, des parisiennes du moment quoi. Cette photo, c'est vraiment ça, en plus, c'est à Paris. Euh, cette photo classique. Hein. Avec le petit sac euh, Dior Saddle. Moi, je trouve que le pantalon n'est pas assez bien, mais quand il est en luisant, mais euh, genre euh, le argent, euh, argent euh, huilé, la moitié, comme on dit, je ne sais pas, j'ai perdu le nom. Mais bref, euh, ce genre de pantalon, mais moins argent pétant, euh, j'aime bien. Après, c'est pas du tout la même chose de mettre le métallique euh, du pantalon d'avant versus euh, le brillant des trucs de cérémonie, quoi. I only ever buy them for like the theoretical purpose of going out, which I don't do. I'm like buying them for a lifestyle that I don't actually have. <laughs> and I never incorporate them casually. I just don't think it really feels moi, pour le coup, euh, je m'en fous de de euh, n'importe quelle tenue de soir pour moi va très bien en tenue de jour, like me. But I love seeing other people do it. So this is definitely a respect the pouch trend moi, je trouve ça and cool. finally, I had to save... The worst and possibly most controversial for last. Kim Kardashian's new Skims nipple bra. And I oui, le fameux nipple bra. No, for all the other trends, I just talked about the product and how it looks. But in this case, I feel like the marketing and promo video was as much of a moment as the product itself. And so for this one I have to talk about more than just how it looks, because the actual product, a bra with a built-in nipple, fine. Not for me, but if people are into it, okay, sure, whatever. And that's not the thing I have an issue with. However, using climate change as a marketing technique for a product whose manufacturing process is meaningfully actively contributing to climate change, when you have all the wealth and resources someone could possibly need to actually produce this product. Ah, oui, oui, non, mais oui. A report revealed how much they've exceeded their home water limits amid the California Zoo. Ok, Alors, en gros, ah oui, il y a un bail, mais je savais pas que. Euh, je savais pas qu'il y avait un bail de trucs comme ça, genre, euh, ou comme quoi ça avait été produit. Euh, genre, je savais pas qui. J'avais pas en fait euh, capté à quel point ils avaient euh, mis l'accent en termes de com sur euh, le fait que c'était en mode recyclage, euh, respect de la nature et tout ça. C'est totalement absurde. De toute façon, c'est des matières synthétiques. Comment tu veux que ce soit écolo Il y a un moment, faut pas, faut, pas, faut pas se moquer du monde non plus, quoi. Je savais pas qu'il y avait un délire là-dessus. Out of touch is the biggest possible understatement. Um, dystopian, really is the word for it. And so doit aller en anglais in the simulation. Okay. Sorry to end things on such a scathing note, et okay. eh ben on a fini le ranking. Et eh ben moi de ce que j'ai retenu euh, en vrai, c'est euh, la tendance des biker boots que j'ai très envie de voir euh, intégrer cette année là. Euh, qu'est-ce que vous avez retenu vous les gens de ce genre de tendance les tendances 2010, euh, 2020, euh, oh là là, je suis perdue. 2023 qui vont rester en 2024. Moi, je pense surtout aux trucs transparents, les, le marron qui va rester encore, euh, le tailleur, euh, les nœuds. Moi, je pense pas trop. Euh, mais euh, par contre, les bottes euh, bikers, alors ça, ça m'intéresse de voir. Hein. Pour le coup, euh, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'on a On va regarder ensemble. Alors, attendez. Tac. Je remets une petite musique de fond. Et je voulais regarder avec vous sur les tendances de Tagwalk. Qu'est-ce qu'ils nous disent comme tendance Alors, Tagwalk, euh, qui est euh, le site qui répertorie toutes les tendances, qui parle de la mode en général et tout ça. Et euh, là, du coup, euh, on peut regarder les tendances les plus actuelles en ce moment euh, dans la mode, euh, les tendances du moment. Et euh, il nous parle, on en a parlé du bleu layette, on en a parlé hier justement, la tendance du bleu layette, euh, qui va très bien avec les tendances euh, couleur-pêche aussi de cette année. Euh, voilà. Alors... Il ah, n'y a pas que du bleu layette hein, quand même Il y a différents styles de bleu Moi je pense que c'est un truc qui peut marcher, mais après tu vois ça va pas sur tout le monde encore une fois. Hein. Avec le rouge et le orange, ça va très bien. Ouais, le bleu layette avec le rose, évidemment. On verra. Moi, je pense que ça marchera mieux en vrai euh, quand on va arriver à l'été que euh, pendant cet hiver, quoi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup, beaucoup de bleu layette en ce moment. Euh... Tiens, par euh... je vais regarder par exemple. Euh, N'importe quel vêtement. Euh... On va regarder. Tac. Page ah, genre couleur. Il n'y a que bleu foncé hein, pour le moment. Ah, il y a un petit peu, il y a un petit peu de bleu ciel qui arrive. C'est pas non plus dans les grosses méta du moment. Hein, quand tu regardes les, les vêtements à vendre euh, là tout de suite, il y a un petit peu quoi. Ah, ça par contre, c'est sympa, tu vois. Genre, t'as à la fois le métallisé et à la fois le bleu, euh, l'effet le, bleu layette. Et en même temps, on n'est pas trop sur un bleu layette euh, trop trop fort, du coup. Euh, pas trop marqué quoi. Ça, c'est intéressant comme genre de truc. A deux, deux tendances en une et euh, c'est un peu rigolo quoi tu peux faire des looks un peu sympas avec ça mais sinon globalement bon euh, c'est pas non plus euh, on n'en voit pas partout quoi hein. Après, il y a aussi euh, mélangé avec d'autres choses, notamment avec le côté un peu euh, dentelle, le côté un peu transparent. Euh. Ensuite, le micro, tout ce qui est tendance euh, ultra court. Alors ça, c'est sûr et certain. De toute façon, on en a parlé avec les shorts et tout. Euh, je ne sais pas si dans la tendance euh, homme, par exemple, il euh, y a aussi des trucs en mode short. Mmh. Short tire par exemple pour hommes Non, il n'y a que des trucs en mode boxer ou short de sport quoi. Des trucs un peu Bermuda et tout quoi. Mais il n'y a pas trop une tendance euh, short tire pour homme. Ça pourrait être un vrai délire. Je pense que ça pourrait arriver euh, au, au moment de l'été euh, de la part de Kim Jones euh, chez Dior. Ça pourrait être un délire hein. Le short tailleur en mode vraiment comme ça se fait dans le vestiaire féminin. Euh... Tac, tac, tac. Short et Bermuda. Ouais, mais je suis dans les bleus, là. J'ai gardé la couleur. Merde. Effacé. Oui, voilà, il y a une tendance, genre short en cuir, euh, des trucs comme ça, quoi. Des trucs un peu plus chic. Ouais, voilà, ce genre de short, euh, ce genre de truc un peu tailleur et tout, machin. Même en, en version un peu euh, biker et tout, là. Il y a une vraie tendance du retour du short, hein, pour le coup. Euh... Avec la version euh, Biker Boots, ça rend pas mal aussi. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, les gens, mais... Ah, ce genre de short ultra classique, tailleur short, quoi c'est dans les méta bon évidemment pas looké comme ça, hein. faut le looker en version un peu plus euh, rigolo quoi. J'aime trop les shorts, moi aussi j'aime bien. Euh, franchement c'est pratique, euh, c'est assez confort, tu peux le mettre. En plus ce genre de short, euh, en vrai tu peux le mettre même au printemps avec des tenues un peu plus légères et tu peux le mettre en hiver avec des collants rigolos et tout machin. Il euh, y a moyen de s'amuser avec les shorts. Hein. En version rouge comme ça, ça peut faire chic, euh, rouge orange là. Version un peu plus biker, euh, entre biker et courage. Ça c'est super sympa aussi, moi je trouve ça cool. C'est typique là, en hein, short courage, ça. Hein. Donc grosse, grosse tendance. Et même le Bermuda avec euh, le Bermuda long avec les bottes biker, moi j'aime bien la méta. Hein. Regardez, en vrai c'est pas mal, il hein. y a une méta un peu rigolote. Hein. ça fait masculin féminin, euh, tu vois c'est un peu androgyne euh, en même temps tu peux t'amuser avec le reste euh, ça fait ça peut faire plein de styles différents quoi. Moi j'aime assez bien ce genre de truc. le combo des deux il passe grave bien alors ensuite. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ladylike, ladylike, c'est pas une tendance, ça, c'est un peu nul. Euh, le, la tendance d'Adam, oui bon, ok. Les jupes transparentes, alors oui, mais bon, du coup, ça implique du layering, c'est pas une vraie tendance non plus. Ça va pas vraiment, voilà. La tendance années 90, bon ça fait 5 ans qu'on est dessus les gars, faut peut-être changer un peu. La tendance romantique, oui c'est vrai, ça revient un petit peu, ça revient, euh, c'est vrai c'est vrai. Chez Moschino, euh, ce genre de méta, je trouvais plus intéressante pour le coup. Ça c'est ça c'est un vrai look intéressant euh, dans le retour du truc. Euh. Pour moi on est pile dans le dans un mix entre ouais, le Moschino classique et le Vivienne Westwood, euh, le Givenchy, euh, ce genre de choses quoi. Typical. Euh... Ah, il y a une tenue de Givenchy aujourd'hui que j'ai repérée d'un vieux défilé que j'ai trouvé incroyable. Il faut que je vous montre ça. Euh, qui est pile dans ce genre de méta. Après, forcément, c'est dans ma nouvelle DA, hein, donc euh, voilà. Alors attendez. Que je vous retrouve ça. Hop. Regardez ça cette photo incroyable, elle est trop belle. Alors attendez, est-ce que je peux ouvrir juste la photo ou afficher l'image Ah voilà, c'est beau. Regardez ça je suis tombée là-dessus aujourd'hui. Donc, c'est un défilé Hubert euh, de Givenchy euh, à l'ancienne. Euh, comme vous vous en doutez. Euh, J'aime trop la méta. Alors, déjà, euh, les grosses, grosses ceintures en mode boucle cadre euh, presque. Euh, ça, on en avait revu il n'y a pas longtemps. Euh, il y en a eu dans certains défilés il n'y a pas si longtemps. Mais regardez un peu le détail des espèces d'appliqués. Alors, déjà, il y a du ciré sur le bas. Euh, des manches de la veste et de la jupe et euh, regardez l'effet un peu flamme aussi pour euh, réunir les deux. Je trouvais ça incroyable, le, 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 le dégradé entre euh, la dentelle, le sky serpent là et euh, le, les flammes euh, vinyles qui vont sur le tartan. En plus avec une tenue ultra large euh, un peu euh, coupe un peu japonisant avec euh, la veste qui fait un peu kimono et tout la grosse ceinture et tout c'est trop stylé je la trouve incroyable tout coupé dans le biais parce qu'on voit euh, au tartan que du coup le tartan il est pas dans le, dans le droit fil enfin les motifs ils sont en diagonale quoi donc du coup en, ça veut dire que le tissu est coupé en biais euh, voilà, donc un truc assez assez ample euh, qui tombe un peu, qui danse autour du corps, quoi. Euh, Regardez-moi cette tenue, quoi. Elle est incroyable. Donc ça, pour moi, euh, quand je vois euh, ce genre de défilé là, comme on voit le Moschino euh, Spring Summer 2024 là, peut-être faudrait qu'on regarde carrément le défilé. Euh, faudrait qu'on voit le défilé. Euh, tac, 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 voir toute la collection. Je sais pas s'il y avait d'autres bails un peu plus. Euh... Ah, il y a des trucs rigolos. Oh là là, ce collier incroyable. Les grosses boucles d'oreilles euh, avec le collier, là, c'est une dinguerie, ça. Trop joli. Ah, et ce, ce genre de trucs un peu romantique aussi, euh, les poids, les rayures, ça, c'est un peu rigolo, ce genre de trucs. Tac. Les trucs sympas, euh, tout ce qui est cagoule, on parlait hier justement des cagoules et des capuches et tout et tout. En vrai, il euh, y a un truc hein, sur ce genre de coiffe, vous voyez. Euh, je voyais aussi une, une vidéo qui, est, qui pourrait être intéressante, mais après c'est tout en anglais, je ne sais, a... sais pas si je pourrais react vraiment beaucoup de ça. Mais il y a Minali qui a sorti une vidéo sur euh, le retour du chapeau, genre euh, euh, porter des chapeaux, euh, hommage au chapeau en gros. Et euh, pour, euh, c'est un euh, militantisme pour le retour du chapeau. Si on peut dire ça comme ça. Et, euh, et je trouve que via la cagoule, la capuche et tout ça, comme on disait hier, ça peut être une méta en vrai. Hein. Ça peut être un truc. Moi, j'aime bien un peu. <coughs> en mode vraiment capuche. Là encore, avec du lassage et tout. On voit bien qu'il y a un peu euh, de tailleur aussi avec la veste qui est ultra déstructurée. C'est dans l'air du temps, quoi. Ah, c'est vraiment la meilleure tenue, celle-ci. Hein. Repatato, comment ça va? Bon retour! On est en train de regarder euh, les images du défilé euh, Moschino. Et euh, globalement, cette ligne-là, c'était nos trucs préférés. Enfin, les miens en tout cas. Ça va, j'avais un col inutile et éclaté à cause de l'ego d'un vieux graphiste à la con. Ah merde. Un ah relou quand c'est comme ça. Un peu chiant. Même le petit détail des bracelets de cheville en perles là, c'est trop stylé avec la grande jupe. J'adore pour le coup les très longues jupes comme ça euh, qui sont en V là comme ça. Je trouve ça trop trop joli. C'était la méta un peu dans les jupes asymétriques avec euh, des plis sur toute la hanche, comme ça, ça se faisait à un moment donné, ce genre de truc. Euh, les gants très longs, les gants dentelles, là, c'est vraiment. Ce look, pour moi, il représente totalement euh, euh, une esthétique vers laquelle j'ai envie d'aller euh, bientôt, quoi. Je trouve pour moi, c'est un mix parfait entre le côté euh, rock et bourge, quoi. Un peu plus bourge que rock, mais il y a quand même un truc euh, un peu. Enfin, j'aime trop, quoi. C'est la version soirée, quoi. Moi j'aime bien les versions soirées. Toujours over the top et tout. Ah ce défilé est trop cool. Ça, un peu plus classique, mais il euh, y a des trucs un peu sympas dans la superposition. Les motifs des collants passent bien aussi, ouais je suis d'accord. Les collants dentelles vraiment, ça passe bien. Euh... Un peu moins intéressant celui-là, trop plus classique. Et celui-là, trop stylé. Avec la cravate blanche, là, comme ça, et la longue jupe euh, traîne, et tout, et tout. Ça, j'aime trop. Pour moi, ça me fait tellement penser à du Hubert de Givenchy vintage, et tout. Il faudrait que je regarde sur, euh, sur Pinterest, euh, genre, d'autres trucs Hubert euh, de Givenchy. Ah, c'est un peu plus clean en vrai euh... ou peut-être du Christian Lacroix alors parce que Hubert de Givenchy c'est un peu plus clean que je l'imaginais dans ma tête ah il y a des trucs quand même un peu ouais voilà ce genre de truc hop voilà ce genre d'esthétique à la Hubert de Givenchy là comme ça il fait très mad il fait vraiment madame très stylé ouais c'est ça exactement ce genre de truc euh... Moi, je pensais à ce genre de, de look un peu là, euh, over the top, un peu euh, Givenchy over the top. Hubert de Givenchy, qui était euh, le costumier attitré, si on peut dire, de Audrey Hepburn. Donc, voilà, ce genre de méta un peu un retour à ça au final. Et sinon, euh, Christian Lacroix, Christian Lacroix d'ailleurs, euh, j'en avais parlé euh, il y a quelques temps. Euh, ça, vous pouvez diguer, euh, Christian Lacroix, euh, vous pouvez trouver des superbes pièces vintage. Euh, les gens ne se rappellent pas encore de Christian Lacroix. Moi, c'est mon goal de cette année-là, si j'ai un peu de sous. De me trouver du Christian Lacroix vintage. Regardez un peu ces merveilles. C'est tellement sous-côté, Christian Lacroix. Euh, très méconnu des gens. Euh, Ça n'a pas duré extrêmement longtemps, mais c'est des dingueries. Euh, voilà. C'est des dingueries. Oh là là, même ce look-là, il est incroyable. Il y a vraiment des trop beaux styles chez Christian Lacroix. Euh, c'est euh, vraiment trop, trop, trop stylé, quoi. Des grands chapeaux. C'est euh, la tendance euh, des années 80, euh, le Over the Top 80-90, euh, Maximaliste, euh, qui fait des tenues ultra complexes. Enfin, euh, c'est vraiment trop beau, quoi. Même là, ce manteau, il est incroyable. Bon, alors évidemment, il euh, y a du motif. Euh, voilà, il faut, faut savoir sélectionner. Il hein, faut, faut savoir assortir les vêtements quand tu parles là-dedans. Ah, regardez, le manteau euh, Christian Lacroix, là. Euh, vous parliez de l on parlait l'autre fois de Schiaparelli et, du, et euh, de Yoji Yamamoto, là, qui, qui aime... Euh, euh, non, Ideo Kojima pardon, Ideo Kojima qui 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 voulait des grosses broderies sur ces trucs là, et eh ben voilà, c'est ça, incroyable du Christian Lacroix vintage là. Est-ce que ça se trouve du coup sur euh, Vinted Allez, on va regarder sur Vinted, Christian Lacroix ou peut-être sur Etsy, je sais pas. Alors après, le truc, c'est que bon, faut sélectionner quoi. Parce qu'il a fait beaucoup de produits dérivés hein, un peu. C'est après comme euh, Pierre Cardin et tout. Euh... Ah, c'est introuvable par contre les belles pièces. Euh... Alors, si on fait par exemple robe. Ah voilà, on tombe sur des trucs un peu plus intéressants déjà. Il euh, y a des collabs Christian Lacroix d'ailleurs en ce moment chez Disney Gaulle euh, Il y a des trucs un peu sympas, je crois qu'ils ont fait. Hein. Parce que du coup, en fait, Christian Lacroix, euh, pour vous dire, du coup, c'était un couturier qui a fait faillite euh, et du, du coup, euh, la maison a été euh, liquidée. Il euh, y a pas tant d'années que ça, mais bon, ça a été liquidé. Il y en a eu pendant plusieurs années là, euh, dans les magasins de déstockage, beaucoup beaucoup de Christian Lacroix, du coup, pour tout écouler ce qui restait. Euh, voilà. Et aujourd'hui, ils essayent de relancer le nom. Euh, donc évidemment, c'est plus euh, Christian Lacroix qui est derrière. Hein, euh, voilà, parce que de toute façon, euh, c'est une marque aujourd'hui. C'est plus euh, voilà. Mais euh, ouais, c'est un peu compliqué à trouver quand même hein, les belles pièces Christian Lacroix. Mais franchement, euh, ça, c'est un peu un goal parce que en termes de style, euh, c'est vraiment trop cool, quoi. Il y a des dingueries euh, du coup, Christian Lacroix d'Izigoul. Ah, il y a des trucs sympas quand même. La robe comme ça, moi je l'aime bien. Hein. La robe tapisserie, elle est stylée. Hein. Le sheer top, il passe pas mal aussi. Bon, c'est pas si fou que ce qu'il y avait euh, vraiment les OG euh, Christian Lacroix. C'était quand même un peu mieux. Hein. On va pas se mentir. C'est un peu trop Dizzy Gualcor. Ah, hein. oh, c'est vraiment décevant! Hein. Ils peuvent pas reprendre un nom en faisant des trucs stylés. Hein. C'est pas possible. Vous connaissiez, vous, Christian Lacroix, ou Ou pas trop Je sais pas si sur ta gueule qu'il y en a... Euh... Non, mais regardez, c'est vraiment ça, on est d'accord. Hein. Ce genre de méta, quoi. Juste le nom, pas assez un ordre de la mode, non Ah bah voilà, bah maintenant vous, si vous tombez sur des pièces Christian Lacroix en fripe, euh, s'il vous plaît, regardez bien quand même. On est d'accord que c'est trop beau, même cette robe, elle est incroyable. Oh là là, ça c'est trop beau. Hein. C'est vraiment trop stylé. Je, je colle euh, potentiel euh, en vrai s'ils relancent la marque, c'est sûr ils vont être obligés de faire une expo euh, Christian Lacroix à un moment donné ou quoi. C'est si, si ils relancent la marque, c'est une obligation quoi. Tu peux pas oublier tout ce tout, tout ce patrimoine de la mode là. C'est trop beau. C'est trop trop beau. C'est pile le maximalisme que j'aime. Je trouve ça incroyable. Peut-être sur vestiaire collective, il y a des trucs. Hein. Je vais regarder. Ah, il y a des petits trucs. Corset, pas mal de bijoux. Je vais regarder. Ah, on arrive à tomber sur des trucs un petit peu. Hein. Bon, ça monte vite. Hein. Il y a quand même du choix. En vrai, c'est pas très coté, donc je pense qu'il y a moyen d'en trouver dans des fripes, euh, de tomber dessus au hasard et tout ça. Je pense qu'il y a moyen. Donc, faut diguer. Faut diguer. Trop joli, hein Ça va, en vrai, les prix Oui, ça passe, ça passe. Je suis d'accord avec toi. Neutral tones. Oui, bon, ben, les neutrals, les neutrals, euh, neutral, de toute façon, euh, on a dit déjà, c'est le normcore et le... le euh, comment on a dit euh, le, le truc des bourges classiques, euh, voilà, bon, voilà. C'est pas, pas une tendance. La veste en cuir, oui La veste en cuir, oui, en effet La veste en cuir, euh, la veste en cuir se porte large désormais euh, Pas de veste en cuir biker euh, près du corps Le Quiet Bourgering, voilà, luxury Merci Yod, merci Petit cuir là, on est d'accord, moi je suis d'accord aussi La veste en cuir, oui, 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 oui C'est facile à trouver de seconde main Il euh, y en a de tous les styles, de toutes les coupes, de toutes les formes, de toutes les tailles euh, c'est un indémodable. Euh, oui, la veste en cuir. Je suis pour. Donc elle se porte assez large quand même. Hein. Ensuite, le baby doll. Oui, en effet. On l'a dit, mais pour moi, c'est... La tendance, euh, tout ce qui est tendance aussi, bel et corps, là on l'avait dit déjà et tout. Donc euh, oui, c'est dans les méta du moment, évidemment. Le drapé. Le métallique, ça on en a pas mal parlé aussi. Bon ben voilà quoi, on a un bon petit tour. On a quand même, euh, on a quand même noté des trucs intéressants. Je vais regarder dans les bails hommes. Il euh, n'y a pas les trends euh, ou menswear peut-être Il euh, n'y a pas les trends en menswear. Ah, ou peut-être là. OK. Voilà. Donc, c'est les paillettes. Pour les hommes mais pour les... le vestiaire masculin, ils parlent de paillettes. Le prépi, oui, évidemment, le prépi. Mais pour moi, ça va avec le retour du rock aussi, euh, un petit peu, quoi. Le kaki, oui. La maille, mais la maille, c'est un indémodable. Ouais, bon, euh, menswear, ils se font pas chier quand même. Hein. Euh, ils vous disent vraiment, euh, genre, oui, ok. Euh. Le tank top, oui, bon, ok, ça fait trois saisons que c'est là. Les fleurs, oui, d'accord, on en a vu partout, on sait. Ouais, aucun effort hein, pour les tendances hommes. Le workwear. Ah, génial. La nouvelle tendance homme, le workwear. Trop bien. Hein. Merci Tagolk. Heureusement que vous êtes là pour nous dire que le workwear chez les hommes, euh, c'est la tendance. Hein. Oh là là. Bon, ben, on va se mettre une autre petite vidéo et puis voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder Soit on a une prédiction sur... Euh... Alors, je ne sais pas sur quoi... Euh... Parce que j'ai pas regardé vraiment les vidéos. Alors, attendez. Il y en a une qui me tente bien en termes de méta. Euh, ou sinon, on se regarde un petit. Ah, je sais. Sinon, on se regarde une petite vidéo, euh, Loïc Prigent ou quoi Un petit Loïc Prigent, ça vous dit les gens Loïc, Loïc, Loïc. Qu'est-ce qu'on peut regarder Ah, je sais, on peut regarder. Euh, on peut regarder la vidéo sur euh, GCDS parce que moi j'aime bien, bien cette marque, c'est un peu rigolo. Ah merci pour les petits Louis Cartou. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre la chaîne, à vous abonner ou à donner des bits si vous aimez bien euh, les vidéos euh, actu hein, les gens. Vous pouvez, vous pouvez Goloïc. Alors soit on regarde euh, une vidéo sur euh, Ferragamo, euh, voilà. La marque Ferragamo, soit sur GCDS. Moi, je penche plus pour GCDS. Ah, merci Merci pour les 60 bits Merci beaucoup, Patato Merci pour les 300 bits Attends, non euh, Attends, qu'est-ce que j'ai Ah, c'est les. Tu as unlock 30 more bits Ah, merci beaucoup, Patato Merci pour les 300 bits avec les offres. Euh... Oui, c'est vrai qu'il y a des. C'est Twitch qui régale Merci beaucoup, Patato Merci les gens! Ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à faire comme patato et à régaler parce que Twitch donne des petits suppléments de croquettes. Voilà. Mettez deux croquettes là et puis hop, Twitch rajoute un peu au bout. Ça, c'est bien ça. Bon, et eh bon on va regarder GCDS. Parce que j'ai envie. C'est une bonne raison. En plus, on part en Italie, on part à Naples comme ça. C'est un peu les vacances avant Noël, là c'est bien. Hop. J'arrête la musique. On va regarder ça ensemble. C'est parti pour Naples. Napoli. C'est joli. Oh là là, on est dans une série AB Prod. Loïc. Hello Giuliano. Hello, Hello, it's Mila. Allez ah, go! Il oh, y a du montage et tout maintenant. And today we go to GCDS. La marque la plus sexy de l'Italie en ce moment. C'est trashy, sexy, italien. GCDS. Welcome to GCDS. J'adore GCDS. Non. GCDS writes a love letter to Naples. C'est le pantalon, euh, le pantalon qui laisse voir les fesses. Euh, C'était ça euh, la dernière collection GCDS. No, Naples, the sun. Le jean, le blue jean coupé aux fesses. The sea. GCDS means season. G is for gelato, gelato, gelato. Gelato. C is for camp, D is for libido. It's going to be a little booty moment. No. Ah voilà, toujours des fesses. Il y a toujours des fesses chez GCDS. Non. S is for sparkle, the famous blue shrimp. Ah, pas mal. Petite référence à, à Schiaparelli, avec la, la petite crevette bleue. No ah, elle, était, elle, était, euh, elle était couleur crevette dans, dans la robe mythique de Schiaparelli. Mais bon, là, cette fois-ci, elle est en bleu. Après, c'est la tendance du bleu-layette, on a dit. Hein. Ah, Cookie, oh, Cookie Monster Boot, c'est rigolo, ça. J'adore. Euh, non, c'est pas vrai, c'est des Italiens. Ne les croyez pas, c'est pas classy sexy, c'est juste sexy trashy. Voilà, il n'y a pas classy dedans. Euh, on est en Italie, à Naples, ils ne connaissent pas le classy. C'est pas ça, c'est on n'a pas la même définition, les gens. Oh. The stylist of the stars, Anna Trevelyan, is pregnant. I feel like J.K. Puff. <laughs> And there's a mood board about the. Allez! The most sentimental collections! Yes. Hello, I'm Luke Subs Loïc! Subscribe to my channel to see everything about fashion, the fashion drama, the backstage action, the front row glamour, flash, 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 pose, pose, pose. Leave a comment, hit the notification bell, and watch all my other fashion videos for your mood. Let's go mood, board! mood, board. mood. Ah ouais, il est il est, il est précis celui-là. Like, subscribe to the channel. Welcome to This video was made possible thanks to our fellow comrades at ah, Tagwalk.com. Tagwalk Ils font la ils font la pub pour euh, ils ont des sponsors euh, Tagwalk maintenant. Et c'est pas bien Loïc parce que tu n'as pas marqué dans la vidéo que c'était sponsor. Ah si, il y a marqué sponsor pourtant. Mais comment ça se fait que.

C'est comme granola, c'est gusto. Gusto, gust, marqué gusto. <laughs> c'est comme country, D comme doppio espresso. Et est comme ça, c'est sassy Ouais, pourquoi pas, sassy, oui, sûrement.

Backstage is with the faithful stylist Anna Trevelyan. Oh, she's there! We thought you wouldn't be there. Of course I am. Oh, show me the profile. Oh la la la. la. What's the name? You know name? I don't know the name yet. C'est une ancienne de chez Valentino, je crois. When I know you'll be the exclusive to have it. Like. <laughs> I'm sure they have pink hair already. Yeah, probably. Anna Trevelyan nous parle de son rêve to give dans in water avec... With... Les dauphins. some places you can endroits birth on peut with dolphins dans l'eau avec des dauphins, et ils ont dit que les enfants the avec des dauphins like très spirituels. Les italiens de la mode, hein? vraiment, vraiment, vraiment. C'est ce genre de personnes, les italiens dans la mode. Ils sont très intelligents, et peut-être que les dauphins font quelque chose de elle veut, elle veut juste devenir une sirène en fait, c'est ça le truc, hein. But anyway, they banned it. Why Probably, so many it people? So magical, like they were making super intelligent humans or something, mm. so it's banned. They prefer children being born with sharks. Right, we need more dolphin babies. Mm. We ah talked ah about Tuleno ah Calza's extensive collection of, guess what he's collecting? Ah là là, trop joli! Regardez ça, le petit sac à main avec la crevette. I'm a big Chanel collector. Are you? I collect bags of all sizes, and uh, the first thing I bought when I had a big chunk of money from GCDS was actually a Chanel black jacket. At what age did you get your first Chanel jacket? I think I was 27. Ah oui! Il s'est mis bien du don. Première petite veste Chanel à 27 ans. Là, tu vois, c'est euh... Pour les financiers et les politiciens, c'est la Rolex. Pour les gens de la mode, c'est la veste Chanel. Je ne sais pas. Bravo. Je n'en suis pas sûre. By myself, full price. Some of my friends were like, we have discount. I was like, no. I need to go inside the store, try the jacket in front of all the rich women, and just, just get it full price, okay? Fashion dreams. Fashion dreams. We didn't come from a rich family or like money, so we were like, I now you are rich? Never been. No. I wish. You have a rich kid vibe. My mom is a doctor and my father is a... Bah alors, euh, ta maman est docteur et ton père est ingénieur. Évidemment que t'es riche. Euh... Uh, engineer. And I was born in house, oh. not in an hospital. I went. What? Non mais franchement quoi. Le gars il ose dire qu'il est pas riche alors que il a cette vibe et avec une mère euh, docteur et un père quoi ingénieur. Ptdr. Hein. Bien sûr. Ptdr. C'est vraiment euh, l'arnaque. Hein. Oh. Ah ouais, faut vraiment pas trop écouter euh, les gens dans la mode, hein, parce que sinon ils sont très très vite énervants. thought I was a rich kid? Ah, euh, <laughs> Le plan est incroyable. Hein. Comment ça, t'as pensé que j'étais un enfant de riche C'est ça, c'est ça Street crête de naître dans sa baraque. Non mais vraiment quoi, dame. Je suis d'accord avec toi, genre vraiment. En fait, les pauvres nefs à l'hôpital, genre vraiment, il n'y a pas, voilà, tu vois... PTDR. The look is Shura Milaneser. I would say, <laughs> Madame par excellence. <laughs> N'importe quoi Camille Charrière, Jordan Woods, Itzan Escamilla, soccer player Moïse Kin, Mia Khalifa, Aaron Piper. Oui, que les jeunes, quoi Brad Gial, Tony F., Vera et Basta, Anna Del Rosso, Karine Rothfeld. Ah Évidemment, Karine Rothfeld est là. Quand il y a du scandale, il y a Karine Rothfeld. Karine Rothfeld était du coup la, la meuf qui gérait, euh, comment dire, euh, le Vogue France. Ah, oh oh On avance bien, patron. Non, oh non, non. Quel est le verdict de ça Wow. C'est beaucoup là, non? Wow, c'est bien, si tu sais marcher avec, c'est super. Voilà. Il faut une ouais. sécurité. Oui, tu m'étonnes par contre. Il sait Loïc, il l'a dit avec le montage. Exactement, dame, on est d'accord. Évidemment que t'es un gosse de riche, on le sait. <laughs> C'est trop marrant comment il a filmé ça, c'est vraiment l'Italie. Hein. Avec la musique et tout, c'est une dinguerie. Hein. The the c'est tellement, en plus c'est tellement abusé de dire, euh, parce que pour le coup, euh, à Naples, il y a vraiment une grosse communauté de gens pauvres et euh, de jeunes qui galèrent dans la vie. C'est un peu abusé de dire que t'es pauvre dans ce genre de d'endroit. T'as la tête avec Xavier Dolan, bien sûr t'es riche, voilà, on est d'accord. Beautiful Amber Girl, and we were like, what's going to summer look like? And she was really the summer. It's really creative, like I love it. I love the texture of it. It's made of wood, I believe. It's a little piece of art. I love it. Oui, mignon, le petit sac -téléphone. Believe it or not, this wooden print is inspired by the rustic furniture of Giuliano Calza's grandmother. I was thinking of My grandma was creating the collection. Do you know those horrible furniture pieces that you find at grandma's place? Uh, yeah. yeah, this is it. So beautiful. The shoes? ça ressemble à du vinyle, tu sais, c'est la matière euh, vinyle que tu mets pour recouvrir des trucs là en bois vinyle, la faux bois. We're amazing. I'm already tall, but I'll take the risk. <laughs> I wanted to make something that was nostalgic. But still pop and Après, c'est pas mal joué. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de motif. Il a de bonnes idées, hein, ce gars. Euh, GCDS, c'est une marque euh, vraiment hype en ce moment et je capte un peu le délire. Moi, j'aime bien. C'est à la fois euh, très Gucci vibe, très italien, euh, un peu euh, trashy, euh, sexy et en même temps, très pop culture, très référencé. Il y a eu, bah, il y a eu les défilés... Euh, Bob l'éponge GCDS, euh, des trucs comme ça qu'on avait commenté évidemment, c'est rigolo quoi. Le, le polo avec les épaulettes. Stylé. He eats deep-fried eggplants, and bass, and butter ravioli, and sfogliata riccia, <laughs> and Vesuvian tomato jam, with the tightest hazelnut cream espresso that would wake up the long-dead Emperor Nero. On Via <laughs> Toledo, she takes the funicular for aperitivo. Every morning for breakfast, she eats velvety ricotta cakes marinated in oranges and lemons. Fast and easy, ageless, get skinny, sexy forever. Exactly, c'est ça GCDS, le sexy. I said, what do I do? More, more, more? Or we just go for something that we feel like doing and we're going to look cozy and like welcoming people. I think when you do such a big show, you just feel very small in front of everything. So I said, let's put back the attention on who comes for the clothes and who wants to enjoy, it. like the GCDS crowd. Trop des par contre, trop années quatre-vingts, la vibe et tout. Euh, C'est pas assez, euh, ça met pas assez en avant le port de tête et tout. Je trouve ça trop large. and oh, the family that is always with us. It's too hot in Naples, the hot, 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 hot city with the most frisson And she has no AC at home, so she dresses in G C D S. Same for him. C'est vrai. Is it the... Ah bah voilà, le short pour homme. On l'a trouvé. On le demandait tout à l'heure, le voilà, il fallait demander à GCDS de le faire. Cette it <laughs> <laughs> méthode. Busy... Bon alors là par contre il faut du layering, on est d'accord. Hein. C'est like lots... trop un peu trop quand même les épaulettes. Hein. Trop trop. En fait c'est ça que j'aime bien avec GCDS parce que j'aime bien regarder euh, le over-the-top du truc, tu vois. Mais c'est pile en... In un poil de trop à chaque fois mais ça me donne des idées sur des assemblages de fringues quoi so C'est ça c'est vraiment genre euh, pour l'inspiration quoi So you have the best of both worlds. She was born in the birthplace of pizza, Pizzas with Pizzas. I wanted to have something soft but spiky. It's like the scenery where I'm from like it looks very tough but then in the end it's very chill. Encore du argenté du coup ah, c'est très bien. beaucoup de design in this ce genre de pale, cream. Le, le fut tellement, tellement long. The color. Yeah, it's very nice. Avec le, le petit euh, plissé là sur le côté. Ça, c'est pas mal. J'aime bien le petit plissé sur le côté du fut là. Ah, c'est double fut. Regardez, il y a deux ceintures. Il y a une ceinture en dessous de la ceinture. C'est pratique ça. For so long in Naples, I didn't feel like myself. Like I couldn't open up about my sexuality. So it was always like this idea of suit and tie, and like big. You have to pull, put up a big persona. Le petit foulard, euh, cravate, là, ça, ça, assez sympa. Just to survive, and then instead they have skirts and ballet shoes. Ah, c'est mignon! Le short euh, euh, ballet, ballet, ballet skirt, là. En mode euh, nuisette euh, rigolo un peu. That's what I was aiming for. That's what I was dreaming of. So it's just this, just juxtaposition, contraposition of like tough, tough, tough and big shoulder and volumes and rugby. Ah bah voilà, il y a toute la collection de shorts pour hommes là. Il fallait demander. C'est vraiment ça. Hein. Avec les cut-outs sur les côtés et tout ça. Il y a un Dell. Hein. Moi j'aime bien à chaque fois parce que c'est toujours un peu over the top, mais il y a toujours des trucs sympas à tirer quand même, quoi. And then it's just like chill and silly and like light. Naples, Naples, Napoli, all the walls are beige. Vous aimez ou comment ça se passe, les gens? Except for some crumbling pink palazzo. It's the color of the wall and it's the color of the buildings most of the time in Naples. It's very yellowish or like also the sunrise. And I was honestly as a kid, my obsession was Tweety Bird. So <laughs> it's also Tweety Bird. It's ouais. time for a mood board. I mean, it's time for a mood board. Board Fashion board. Birthday, mood board. Autobiographical collections are always the most interesting. The personal morphing seamlessly into the commercial, the longing for a concept mixed with the familial storytelling. Olivier Routin referencing the city of Bordeaux where he grew up in this Ah oui, c'est totalement Bordeaux ça, je suis d'accord ces bourgeois en costume de de, de l'armée quoi moi, je vois bordeaux comme ça hein. pour moi ils sont tous habillés en costume vintage de, de l'armée de Napoléon je sais pas quoi with oui Beth... c'est tout à fait ça je les vraiment pour moi ils sont tous habillés comme ça à bordeaux very très Same for Karl Lagerfeld, referencing his native Hamburg, the sailor cap, the container minaudière. Oh, beaucoup plus stylé. beaucoup plus stylé d'arriver de Hambourg dans la vie euh, pour donner cette collection. Euh, quel génie de la mode, Karl Lagerfeld, hein, vraiment. Collector now, even the tweed. Oh, regardez ça. The embroideries recreate the landscapes of container boats Karl Lagerfeld used to see from his childhood. Oh, trop joli avec les petites mitaines. His... Le manteau, le col. Métier d'Archaud for Chanel in Hamburg. Jacquemus referencing the South of France of course oui. with Bourgeoise collection. Les Bourgeoise <laughs> de Provence, the straw hats. Celui-là, pour le coup, je pense que c'est un défilé qui m'intéresse. Enfin, je pense que dans les défilés Jacquemus. C'est un des plus euh, impactants qui y ait eu jusque-là, c'est justement euh, le côté euh, référence à ses origines. Il the... y a vraiment des trucs intéressants du costume traditionnel euh, que je trouve euh, sympa, les coupes, les formes et tout ça. Ça donne des vêtements euh, plus originaux, plus moins, moins à raccord, quoi. Polkadot's the Arlesian blouse. Ah, très joli, ça. One grand couturier taking inspiration from Arles and its folklore is the... Christian Lacroix On en parlait il y a deux secondes Voilà Master Christian Lacroix, in the 1980s and 1990s, opening the show with three typical Arlesian queens, walking down the runway. In the collection, we find the black ribbon around the neck and the gold cross, the polkadots. Pour joli. Le hein. ce chignon, the torero jacket. Oh là là, c'est trop beau. The apron, le tablier, the lacey sleeves, the black fringe shawl, le châle frangé, ce black veil. It was the first time such a French folklore was treated as super high fashion haute couture. Lacroix. Oh là là, Christian Lacroix, ce génie. Oh darling. Yves Saint Laurent referencing Oran, Hirou, this family, in the city of Oran et cette blouse qui, dispon... enfin, qui était visible, euh, cette même blouse là, qui était visible dans le... la mise en relation entre les tableaux et euh, les vêtements de Saint Laurent, parce qu'il s'est beaucoup, beaucoup inspiré de... des artistes, par enfin, des tableaux quoi. Et euh, du coup, il euh, y avait euh, au centre Pompidou, il euh, y avait cette euh, blouse là, on l'a vu hier, elle euh... Voilà. J'ai rien. he was inspired by it in many of his collections with his typical fez hat and it's a known fact that he got his sense of bright clashing colors from the local women of oran maria grazia curie referencing her beloved lecce in south italy where she actually spent many of her childhood summers the set is made with luminaries the traditional lights that decorate towns for religious celebrations and of course folkloric dances around models it's a dance of the spider the spider bites women and they get in a trance is fashion the spider Young French designer Victor Vincenzo. Vincenzo, évidemment with the Referencing his birthplace, L'Alsace, northeastern France, especially with his spring-summer 2022 collection named Hopla Guys. Here we go in English, referencing folkloric clothes with clogs, giant headpieces, a big bow called Schlupfgap, and even this cake in the shape of a Kugelhopf, a traditional <laughs> cake specialty. If I was a fashion designer and I had to do a collection, I would be referencing my origins. In bien sûr, bien sûr, les Bretons. Brittany. It could go like this. It's the Jean Paul Gaultier Couture Collection for Fall 2015. Anna Cleveland opening the show. Pas les Alsaciennes. Ah, oh, mais si, c'est bien les Alsaciens aussi. Show with a coiff Breton marinière. Everything I love in one fashion show. A... C'est vrai. Jean-Paul gautier ce génie, hein. Classique gautier, sailors, coiffe bretonne made of hair, yes, made of hair, Hairdresser Odile Gilbert is behind this. Be Incroyable. Hein. Gooden embroideries, dressing Évidemment, les les euh, broderies traditionnelles bretonnes inspirées. Euh, on avait vu également euh, Valpiriou On en avait parlé de Valperview il y a très longtemps, que je vous montre un peu quand même. Valpyriou, qui a été une euh, designeuse euh, malheureusement morte euh, très jeune, mais euh, bretonne, euh, qui était dans la méta, euh, dans la méta un peu Jean-Paul Gaultier et tout ça, qui a fait beaucoup, euh, qui a travaillé euh, quasi exclusivement le costume breton. Hop Ils ont des chapeaux ronds Eh oui T'as raison, Artou. Valkyriou, donc c'est euh, ce genre de mise en relation, voilà, ce genre de truc. Ça, c'est Valkyriou, euh, les vestes comme ça, avec l'inspiration du costume breton, des, des grandes broderies, les motifs en arc rond et tout ça, là. Euh, ce genre de motifs, là. Et donc, ça, euh, typical. Il y avait des trucs intéressants, notamment la veste marin et tout ça. Euh, voilà, ah, voilà, ce genre de choses dont on avait parlé ensemble. Euh, les espèces de corsets années 80, mais version euh, marin. Euh, voilà. Hop. Regardez ça en mode filet de pêche. Voilà, ce genre de truc. Donc ça, c'est euh, Valpiriou qui était une pousse, euh, une jeune pousse de la mode dans les années euh, 90 et malheureusement euh, elle est décédée euh, assez vite de maladie. C'est intéressant. Ah! These in the shape of crepes. J'ai mis monsieur ça et je I'm here for it. My favorite crepe is crepe beurre citron en maybe. Crêpe beurre citron. Ah ouais, elle est pas mal la beurre citron. Crêpe beurre miel. And this moment, musicians playing, B. New, the most beautiful music ever. C'est vrai. Incroyable. Voilà, this... C'est le... chez euh, dans les locaux euh, de Jean-Paul Gaultier directement. The mood board, designers referencing their childhood. Home mood, board. Mm, mood board. Mood board. Mood board. When I was younger, you didn't have this idea of fluidity or like Et oui les petits bretons Feminine masculinity. And I think in my position now it's very fun to play with. Giuliano is a league of its own. It's always fun. It's nothing too rigid, nothing too serious. He's very relevant. He's off the moment. we love him. The heiress of dynasties of pizza I love how sexy it is. It just really allows a woman to feel confident because it holds you in, hugs your curves, and it just makes you feel young, sexy and fuckable. It's unique. It's like freedom and at the same time, powerful, you know what I mean? It's ah, sexy Italian, Ah, c'est sympa, Sparkling ça like the Bay of Naples C'est bah oui, so when... tricoté, on voit bien que c'est tricoté, on dirait que c'est tricoté avec euh, des, des guirlandes de Noël là. La robe guirlande de Noël où que tu vois les fesses. Et oui, il y a des fesses patato, c'est GCDS. Forcément, il y a un look où on voit des fesses, c'est obligé. When you see Because it feels like a towel, you know, when you do the shower and you just put a towel on top. Wait. The dresses look like I'm uh, in the middle of the Christmas time. But then, uh, here's summer. It's a surprise. Is a surprise. They're not gonna expect that. I'm fully ready for that. I'm gonna <laughs> smile, like, <"Yeah>, that's <laughs>

now subscribe to les images de karen reid quoi? incroyable. bon, est-ce que vous avez aimé les gens? c'était rigolo. en plus, on a référencé des trucs qu'on avait vus avant. on a parlé de... on a reparlé de christian lacroix et tout ça. c'était sympa c'était sympa. Moi j'ai aimé. Bon, bah je crois qu'on arrive tranquille à la fin de, de ce petit stream. Ça faisait plaisir. C'était le petit stream mode détente de l'après-midi. C'était sympa. Moi j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi, les gens. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce stream, tranquillement. Et euh, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie à celles et ceux qui ont été là. Euh, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine sur cette chaîne. Euh, je, vous pourrez me retrouver euh, en stream lundi sur la chaîne d'Artou, comme chaque lundi soir. Et euh, vous pouvez me retrouver aussi. Euh, euh, non, vous pouvez retrouver Artou demain, 16h, sur sa chaîne en stream depuis l'atelier. Euh, voilà! Donc, rendez-vous demain sur la chaîne d'Artou et lundi avec moi en plus sur le stream aussi, mais sur la chaîne d'Artou aussi. Voilà, merci les gens d'avoir été là, merci beaucoup. J'ai kiffé ce stream aussi, c'était très cool. Merci beaucoup les gens, bonne soirée, à bientôt. À bientôt, littéralement 5 minutes. Ah, d'accord, à tout à l'heure, Patato. Bonne soirée les gens, ciao.